Tu es Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Lève tes deux mains. Père, nous te disons merci pour ta présence en ce lieu, ton esprit, ton feu, ta parole, tes anges, ta gloire qui remplit ce lieu et ta vie au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé à faire dans cette église et que tu amènes à la perfection. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Alléluia. Lundi, dans 4 jours, lundi qui arrive, le 11, on a une nuit de prière globale dans toutes les branches et cellules. Donc, passez l'information juste après le culte ici. Et vous n'attendez pas lundi pour savoir là où vous allez prier. Dès demain, dès cette nuit, dans vos forums, vous en parlez. Vendredi, au plus tard, vous devez savoir là où les gens vont prier. Et lundi, toute la nuit, jusqu'au petit matin, amen. C'est une instruction que l'Esprit de Dieu a déposée dans mon cœur. Donc, lundi, nuit de prière dans les cellules, les branches. Alléluia. Les sujets de prière vous seront communiqués le week-end. Ou alors lundi matin, mais je crois le week-end. Alléluia. Praise God. Il y a une atmosphère ténébreuse que Dieu veut détruire. Amen. Et il veut imposer son règne dans les maisons. Amen. Alléluia. Praise God. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Alléluia. Seigneur merveilleux. Amen. Les cultes vont commencer beaucoup plus tôt. Plus tôt. En fait, je veux dire la prédication. Parce que les gens pensent que le culte, c'est la prédication. Mais ce que je veux dire, c'est que les messages vont commencer beaucoup plus tôt. Alléluia. Praise God. Et par la grâce de Dieu, à partir de janvier, on va faire plusieurs programmes. Parce que les branches doivent s'ouvrir. Les cellules doivent naître. Alléluia. On va passer peu de temps ici, très peu. On sera dans plusieurs d'autres endroits. Alléluia. Praise God. C'est le moment de donner son meilleur pour Dieu, de travailler pour Dieu, de gagner d'autres âmes, de les bâtir, de les équiper et de les envoyer. Amen. Ce temps a sonné. Le temps où Dieu décide de bâtir, de susciter et d'envoyer. Alléluia. Il n'est plus question qu'on voit les mêmes visages. C'est le temps de gagner les âmes. Alléluia. Praise God. Le temps de susciter de nouveaux leaders, de nouveaux ministres, les gens qui veulent servir Dieu, qui veulent servir, qui veulent faire partie du royaume, de la vision du royaume. Voici une vision, voici une opportunité de servir le Dieu que Moïse a servi, le Dieu que Salomon a servi, le Dieu qu'Abraham, Isaac et Jacob ont servi. Alléluia. Praise God. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il faut prier pour qu'il y ait beaucoup d'ouvriers. Amen. Parce que la moisson, elle est très grande. Alléluia.
Esprit du Seigneur, dépose dans mon cœur ce signal de commencer des grandes croisades, des grands programmes dans des salles d'hôtel, dans les stades. C'est le temps. Alléluia. Je ne suis allé presque pas dans les stades depuis. C'est le temps. C'est le véritable temps. Et les directs vont commencer chaque nuit. En fait, tu vois, beaucoup de choses vont changer. Si tu veux travailler, c'est vraiment le temps parce que le travail va commencer. Alléluia. Amen. Je commande les t-shirts qu'on nous sorte des t-shirts pour l'évangélisation parce que chaque samedi, je serai dehors avec le BAF. Le temps de travailler véritablement a sonné. Alléluia. Praise God. Tu vois, c'est une opportunité que Dieu te donne, qu'on te forme et qu'on te suscite. Amen. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que il ne s'agit plus de dire que certains sont appelés au pastorat. C'est que tu n'as rien compris. L'autre jour, je te faisais écouter un conférencier, professeur d'université, chef d'entreprise. Il est coach, il est pasteur. Il est en train d'ouvrir 200 branches alors qu'il n'est même pas le visionnaire. Les gens ont compris de nos jours aussi. Sans la spiritualité, tu n'es rien. Et cette spiritualité, c'est soit avec Dieu, soit avec le royaume des ténèbres. Tu choisis ton camp. Alléluia. Il n'est plus question de nos jours aussi que tu commences à demander, pasteur, priez pour moi, pasteur, priez pour moi. Depuis que les gens sont dans les églises et les pasteurs prient pour eux, ils ne se rendent pas compte que leur vie ne change pas. Parfois, on prie quelqu'un, une percée, mais après, ça ne s'arrête. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas. C'est ta spiritualité qui va déterminer ton engagement dans un royaume, soit de ténèbres, soit de Dieu. C'est ça qui va déterminer comment tu vas, la glorieuse vie que tu vas avoir. Les gens qui ne sont pas en train de servir Dieu sont certainement engagés profondément chez Satan. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, par exemple, les filles exposent la nudité partout parce que ce sont les conditions qu'on leur donne dans les loges. C'est ça qu'on leur donne, c'est ça qu'on leur dit là-bas. Donc, en fait, de nos jours-ci, c'est en fait ça. Alléluia. Praise God. C'est en fait cela. Donc, il faut que tu comprennes que servir Dieu n'est pas donné à une catégorie de personnes. C'est pour ton âme et c'est pour déterminer ce que tu deviendras dans la société. Alléluia. Si tu ne sers pas Dieu, tu vas voir. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. La présence de Dieu est déclarée en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Lève tes deux mains. Moshata la bahadiyada. Les koto prakata librante. Zimaladi attaque. Meketo prataliya. Zifakata brando gelebretia. Mantala gabahadiya noshke. Emparadoski fratilia baha. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Qu'un homme porte le Saint-Esprit. Dis à ton frère, qu'un homme porte le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'un homme porte le Saint-Esprit. Nous avons vu combien de points déjà? 8. Le 8e, le 7e point, c'était quoi? Quand un homme porte le Saint-Esprit, il est comment? Il est exigeant envers lui et envers les autres. Alléluia. Et le 8e point, c'était quoi? Alléluia. Quand un homme porte le Saint-Esprit, il est excellent. Et il est parfait dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Qu'un homme porte le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, même quand ce n'est pas le Saint-Esprit, quelqu'un porte l'esprit contraire, l'esprit des ténèbres. L'autre jour, une jeune dame que vous appelez Beyoncé disait que elle, quand elle est sur la scène, il y a l'esprit d'une femme qui la possède. Sasha Fields. Amen. C'est qui?
Alléluia. Elle a dit que elle dit qu'elle est ambassadrice des Illuminati. Et elle dit que quand elle vient sur la scène, l'esprit, c'est de sa bouche, il y a l'interview sur l'internet, de sa bouche qu'elle dit, l'esprit d'une femme appelée Sacha Fils. Sacha Fils, c'est qui, on ne sait pas. C'est elle celle qui sait. Elle dit que l'esprit de cette femme entre en elle. Et elle dit que sa posture change. Elle devient comme une femme droguée. Donc, ton ticket VIP que tu payes pour aller à ses concerts, elle te précise qu'un démon entre en moi quand je suis sur la scène. Même comme elle dit ça publiquement, ça ne va pas empêcher que ses concerts fassent le plein dans les stades. Alléluia. Maintenant, toi, quand tu chantes, qu'est-ce qui entre en toi? Beyoncé dit que Sacha Fils entre en elle. Et elle dit qu'elle ne se reconnaît plus elle-même. Maintenant, toi qui es, toi qui es dans le royaume de... Regarde, sois sérieux. Aie une vie, une relation personnelle avec le Seigneur. Deviens sérieux avec le royaume. Pense à l'éternité. Pense à ton âme qui doit être sauvée. Pense à ta vie, au succès que tu dois être pour Jésus. Deviens sérieux. Tu ne pries pas pour le pasteur. J'ai souvent du mal de savoir quand je prêche, vous dites amen, mais ça ne vient pas du cœur. Parce qu'un amen qui vient du cœur est suivi des actes. Ça ne vient pas du cœur. Ça devient la religion. Le pasteur parle, tu dis amen. Ça devient un acte religieux. Parce que tu ne peux pas suivre le genre d'enseignement si pendant des années, et on ne voit pas les résultats dans ta vie. Tu ne peux ne pas prier. Et on ne voit pas ça. Impossible. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui a dit dans Matthieu 6, toi prie dans le secret, le Père va te rendre ça publiquement. Donc on ne voit rien. On doit conclure. Tu ne pries pas en secret. En secret, tu fais d'autres choses. C'est facile de connaître les gens qui sont à l'église, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Vous ne voyez rien dans leur vie, aucune substance, rien. Il n'y a rien. Rien. Si tu lui confies quelque chose, ça meurt. C'est un signe qu'il n'y a pas la relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit, nous allons de gloire en gloire, ça veut dire que si l'Esprit de Dieu est dans ta vie, si on te met dans une vieille pièce percée, quand on reviendra, on va trouver que tu as amélioré ça. L'Esprit de Dieu ne laisse pas les choses mourir. L'Esprit de Dieu ne fait pas stagner les choses. L'Esprit de Dieu améliore, rend les choses excellentes. Est-ce que tu comprends quelque chose même? Vous comprenez? Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, on va voir le 9e point tout à l'heure. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tout ce qu'on te confie devient glorieux, tout. Il dit tout. Juste 1 à 2 heures de prière en privé par jour, ça va se voir en public. Il dit ça va se voir. Tu vois les stars du monde briller. Tu penses que c'est... Quand tu vois les stars du monde briller, tu vois déjà, bon, ok, avec l'avènement des réseaux sociaux, aujourd'hui ces stars montrent comment elles travaillent. Et que ce soit les artistes, que ce soit les sportifs, on te montre leur travail, comment ils bossent pour être ce qu'ils sont ou pour être ce qu'elles sont. Praise God. En plus de leur spiritualité. Et il n'y a que les chrétiens, toute une journée, aucun entraînement, aucun travail. Il n'y a pas le sérieux. Par exemple, si tu es un chrétien, est-ce que tu sais que la prière, c'est un entraînement pour toi? C'est un entraînement, c'est une formation. Lis la Bible, c'est informer, c'est travailler, c'est te cultiver, t'éduquer, c'est instruire. Alléluia. Praise God. Alléluia. Avoir une vie de prière, c'est comme quelqu'un qui... C'est comme un athlète qui s'entraîne pour un combat. David dit, le Dieu qui exerce mes mains au combat. Impossible sans la vie de prière. Impossible.
Un chrétien qui prie gagne les âmes automatiquement. Ça, il ne peut pas se taire. Il ne peut ne pas parler de Jésus. L'année, si tu as gagné combien d'âmes? Alléluia. Hello. Tu as gagné combien d'âmes cette année? Praise God. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ok. Bien, suis. Thank you, Lord Jesus. Quand on porte le Saint-Esprit, nous avons dit septième point qu'il est exigeant envers lui-même. Ces choses-ci deviennent juste comme des coups, des choses qu'on récite. Le coup passe. C'est pourquoi les vraies personnes qui servent Dieu, c'est des gens qui sont le reflet de la parole. Les vrais chrétiens. Le reflet de la parole. Le reste, ce sont les faux chrétiens. Le reste sont des faux chrétiens. Ce sont des gens qui sont désespérés. Et c'est, si vous allez dans beaucoup d'églises, vous allez trouver les églises pleines de gens désespérés. Des gens qui prient et qui attendent le dépannage du petit ami. C'est-à-dire que ils sont à l'église, ils attendent que la solution, peu importe d'où ça vient, ils veulent le boulot. C'est-à-dire, c'est d'où ça vient, je prends. C'est comme ça que les gens qui sont à l'église sont. D'où ça vient, I just take. Alléluia. Ils ne discernent même pas si ça vient du diable, ça vient du marabout, non. D'où ça vient seulement, I just receive. Or, nous, nous ne prenons pas les choses qui doivent venir, qui viennent du diable, non. Nous devons discerner que ça, c'est égalé. Jésus, sur terre, est le Fils de Dieu. Et en fait, il est héritier de Dieu. La Bible, nous sommes héritiers, jouons avec lui. Mais tu vois, Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Quelques minutes plus tard, le diable vient et il lui demande de se prosterner pour, et il va lui donner le royaume. Jésus a su. Ce sont les royaumes, oui, mais ça ne vient pas du Père. Praise God. C'est un emploi que je cherche, mais la voie n'est pas celle de Dieu. C'est un mariage, je veux me marier, mais la voie n'est pas celle de Dieu. Je fais le business, mais ça qui génère beaucoup d'argent. Mais la voie n'est pas celle de Dieu. Aujourd'hui, à l'église, ça ne dit rien à personne. À beaucoup de personnes, peut-être pas tout le monde, mais la plupart. D'où la solution vient, je prends. Alléluia. Alors, nous apportons les enseignements afin que quelqu'un, chacun soit informé. Pour que tu ne dises pas, je ne savais pas. C'est pourquoi la Bible dit, toute écriture inspirée de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit instruit, équipé, éduqué. Pour que tu ne dises pas que je ne savais pas. Dis Amen. Alléluia. Pour que tu sois formé. Pour que tu sois averti. Pour que tu aies le discernement. Qui vient de quoi? Le discernement, ce n'est pas un esprit. Le discernement à partir de la connaissance des Écritures. Alléluia. Praise God. Est-ce qu'on est ensemble ici? Le discernement qui vient des Écritures. Alors donc, tu dois étudier. Tu dois étudier. Dis Amen. Tu dois étudier. Dis encore Amen. Dis Amen. Dis je dois étudier. Alléluia. Tu dois étudier afin que par la connaissance que tu discernes que ceci ne vient pas de Dieu. Alléluia. Praise God. Alléluia. Il dit Alléluia. Est-ce que tu es toujours ici? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tu dois étudier. Tu dois étudier. Dis à quelqu'un, tu dois étudier. Alléluia. Tu es toujours ici?
Tu dois étudier. Amen. Tu dois faire comment? Étudier. Afin que tu discernes. Les erreurs viennent du manque de discernement. Les erreurs viennent de quoi? Du manque de discernement. C'est pourquoi Dieu te donne la parole. Quand tu restes sur la parole que Dieu t'a donnée, tu évites les erreurs. Alléluia. Oh, Psaume 119. Laisse-moi te montrer quelque chose là-bas. Psaume 119, commençons au verset 9 d'abord. Ok. Tout le monde lit. 1, 2, 3, go. Encore. 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 Encore et fort. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Ça veut dire que si un jeune veut avoir une vieillesse sans regret, il doit se diriger d'après la parole. Autrement dit, si tu ne te diriges pas d'après la parole, dans ta vieillesse, tu vas forcément arriver au carrefour des regrets. Tous les gens qui ont vieilli et qui regrettent le manque d'accomplissement dans leur vie, tous, à l'exception d'aucune personne, hein, j'ai dit tous, qui ont vieilli et qui ont le sentiment de non-accomplissement, tous ont vieilli et se sont conduits hors de la parole de Dieu. J'ai dit tous, à l'exception de personne. Toi, tu vois que quand il était jeune garçon, il était le beau gosse. Il était le beau gosse. Quand elle était jeune fille, elle était la Madonna du quartier. La Lady Diana de la ville. Praise God. Alléluia. Je dis toutes les personnes, à l'exception de personne, tous les gens qui, dans leur vieillesse, regrettent beaucoup de choses, c'est des gens qui ont vécu loin de la parole. Tous, à l'exception de personne. Il n'est pas dit que 99, il dit tous ces gens, sauf personne. Personne ne peut se conduire d'après Dieu et il regrette. Regarde ce que la Bible dit. Maintenant, David a dit quelque chose dans le psaume 119, verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Au verset 67, il dit quelque chose. Il dit que avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Donc quand tu t'égares, la conséquence est l'humiliation. Before I was misled, I went astray. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il dit comme, oh my God. Oh my God. Oh my God. On m'a envoyé fréquenter. Je suis plutôt allé porter la grossesse. Maintenant, ça a stoppé mes études. Ça m'a créé la honte, beaucoup de dégâts. C'est parce que je n'ai pas observé ta parole. Dis maintenant que j'ai été humilié, je veux observer ta parole. Ah, les gens ne comprennent pas. Il dit,
Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. J'ai parlé à beaucoup de personnes de la part de Jésus-Christ, de la part de la parole. Plusieurs n'ont pas écouté. À l'exception d'aucune personne, toutes ces personnes reviennent au carrefour du regret. Toujours. Toujours. Que ce soit une instruction collective, une instruction sortie par les enseignements, une instruction directe. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Plusieurs ont regretté, plusieurs. Sinon, tous même, à l'exception de personne. Alléluia. Parfois, le regret arrive et si tu n'as pas beaucoup de grâce qui parle dans ta vie, ça peut être trop tard. Ça peut être comment? Trop tard. Ça peut être comment? Trop tard. Trop tard. Rien n'est permanent. Tout est renouvelé. C'est pourquoi tu ne peux pas prier aujourd'hui et tu dis que tu ne pries plus. Il dit, on devrait toujours prier sans toute façon. Il dit, prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune bénédiction que Dieu te donne. Et tu penses que c'est permanent. Tu ne maintiens pas ça, ça disparaît devant toi. On détruit ça devant toi. Hein? Jésus n'a pas prié un seul jour. Il priait tous les jours. La Bible, toutes les nuits, il priait. Ça veut dire que, écoute que je te dise que c'est comme toi. Il n'y a aucune nourriture qui fait un mois dans ton ventre. Tu manges tous les jours. Et ce n'est pas seulement tous les jours. Hein? Plusieurs fois le même jour. Hein? J'en mange, il y a des gens qui ont mangé depuis le matin, si, 5 fois. Les vrais plats. Ils ont bu 4 jus. Et tu les vois là, ils ne prennent pas le poids. Praise God. Alléluia. Hello. Quelqu'un a dit que s'il ne mange pas tôt, il va avoir les vertiges. Alors donc, je le disais, regarde ce que David dit. Il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais moi, c'est un peu en parole de vie. Ça veut dire quoi? La conséquence de ceux qui s'égarent, c'est l'humiliation. Quand ta vie est remplie d'humiliation, par exemple, tu as été déçu ici. Hein? Dans cette première relation, tu es entré dans la deuxième, dessus, troisième, dessus, quatrième, dessus. La déception n'est pas chez les gens, c'est chez toi. Tu cherches le bonheur ailleurs qui devrait être en toi. Comment tu fais pour entrer dans plusieurs relations sentimentales, dans plusieurs relations sentimentales et tu es déçu? Il peut parler. Ce qui amène les gens à entrer dans les relations sentimentales et être déçu, c'est que plus ils sont désespérés à être avec quelqu'un. Il faut à tout prix qu'on dise, par exemple, que je suis madame telle. Je suis femme mariée. Praise God. Et à cause de ça, tu ne discernes pas le djihadiste qui est devant toi. Le descendant de Ben Laden qui est devant toi. Praise God. Yeah. Tu n'as pas le discernement, il n'y a pas la connaissance. La connaissance en toi devrait t'amener à savoir que tu es en danger. Tu ne connais pas la théorie du danger. Va demander au coach. Praise God. Avant d'avoir souffert, je me perdais. Combien peuvent dire ça? Que ma souffrance est la conséquence de ma perdition. Ils accusent toujours les gens. C'est mon frère. C'est ma soeur qui m'a fait. C'est mon cousin qui m'a fait. C'est ma cousine qui me bloquait. C'est mon tel. Regarde. Personne ne t'a bloqué. C'est ton ignorance et ta perdition qui t'ont amené là où tu es. C'est la vérité. Regarde. Même quand tu as un ami qui te détourne, il t'a forcé. Alors, est-ce qu'il a pris tes pieds et il t'a amené chez lui? Non, tu es parti de toi-même. C'est peut-être ton matérialisme qui t'a amené là-bas. Ta convoitise qui t'a amené là-bas. Amen. Hello. Praise God. Avant d'avoir souffert, je me perdais. Voilà comment David pense. David ne accuse personne. Aïe, 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 aïe. Je me suis dit, si j'échoue, je suis responsable de mon échec.
Si je réussis, je suis aussi responsable de moi, de ma réussite. Même pas Dieu. Dieu n'est responsable de rien dedans. Rien. Si Dieu devient responsable de ta réussite et les autres échouent, ça veut dire qu'il n'est pas un bon Dieu. Dieu a envoyé Jésus, le Père a envoyé Jésus mourir pour toute l'humanité. Comprenez? Jésus n'est pas mort pour les chrétiens, il est mort pour tout le monde. Tu es sorcier, tu es bouddhiste, tu es n'importe quoi, il est mort pour toi. Ça veut dire que si tu le reçois dans ton cœur, tu le confesses, tu es sauvé. Tu comprends ce que je dis là? Maintenant, ta réussite ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Seuls les enfants de Dieu vont dire Amen. Les religieux ne peuvent pas dire Amen. Je vais te dire pourquoi. Parce que, tu sais, les religieux sont des gens très irresponsables. Ce qui m'arrive, c'est Dieu qui a décidé. Vraiment, si ce n'était pas tout, c'est Dieu. Si Dieu n'accepte pas, comment il est? C'est Dieu qui t'envoie boire les alcools. Tu bois, tu dors au caniveau, on te fouille, on te dépouille, c'est Dieu. Dis à ton frère, Dieu n'est pas dedans. Hein? Hein? Même quand tu fais un faux foyer, c'est, Dieu ne t'a pas envoyé. Et si tu fais un bon foyer, Dieu n'est toujours pas responsable. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Attends, je te montre quelque chose dans la Bible. Fais attention à l'écran là. Attends, je te montre quelque chose. Regardez, hein, que je vous dise quelque chose. Regarde. Tu vois, quelqu'un ici est déjà entré dans un shopping, là où on vend les habits. Il chope. D'accord. Il y a les vêtements dénudés là-bas. Il y a toujours de vêtements là-bas. Ce que tu achètes et tu t'habilles décemment, ou ce que tu achètes et tu es dénudé devant les gens, ni le propriétaire de ce shopping, ni le commerçant là-bas, personne n'est responsable de ce que tu vas porter. Ils sont seulement vendeurs. Ils ne sont pas responsables des choix de tes vêtements. Personne ne dit Amen ici. Regardez. Comme nous sommes venus ici ce soir, Dieu n'est responsable de rien. Tu es venu ici par toi-même. Parce que le Saint-Esprit a juste permis. Hein? Ah. Attends. Souvent les gens disent, si tu es venu, c'est Dieu qui t'a amené. Bon, ok. Tu t'assois là maintenant, avant la fin du culte, tu rentres. Qui t'a amené à l'œil et qui te ramène comme ça? Je veux comprendre. Praise God. La Bible dit que médite jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Ta réussite, il dit, c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. Ta réussite dépend de toi, pas de Dieu. Mais Dieu t'a donné son esprit et sa parole. Tu comprends ce que je dis? Enfant de Dieu, le succès de ton foyer ne dépend pas de Dieu. Qui est ici et ce matin, Dieu l'a lavé? Dieu t'a lavé, t'a oint. Lève ta main. Tu nous amènes seulement chez toi, on veut aussi que Dieu nous lave. Maintenant, regarde. Tu peux prier en langue des jours, tu refuses de te laver. Hein? Et je peux te garantir une chose, ton corps va tomber malade. Ça va être attaqué par la maladie. Hein? Je veux que tu arrives au stade de la responsabilité. Je suis responsable de ce que je fais. Si Dieu était responsable de ce que nous faisons, c'est que sa parole est contradictoire. Parce qu'il dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est vrai. Non. Si tout ce que je fais, c'est Dieu qui accepte que je fasse. Ah, c'est aussi donc Dieu qui accepte que je pêche. C'est faux. C'est comment? Faux. Tu es responsable de ce que tu fais. Totalement responsable. Il dit ceci. La vie et la mort. Je mets devant toi la vie. Et là, je te conseille de choisir quoi? Tu es libre de choisir la mort. Il ne t'oblige pas.
Dieu ne t'oblige, il dit je te conseille, c'est dans Deutéronome. Je mets devant toi la vie et là, je te conseille, pas je t'oblige. Donc, c'est pourquoi David dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, je me perdais. Alléluia. Je buvais les alcools, je me trouvais dans aucun niveau. Je buvais les alcools, je me trouvais nu devant les gens. Tout ça, c'est ta responsabilité. Amen. Praise God. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ça dépend. Regarde, ce matin, tu as médité, tu n'as pas médité. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'amène à méditer, c'est toi. Mais Dieu met son vouloir en toi par son Esprit Saint. La capacité de Dieu est déjà en toi. Quelqu'un me comprend? La capacité est déjà en toi. Amen. Dis Amen. Alléluia. Le plus grand don après le salut que Dieu a donné à l'humanité, à l'homme, c'est quoi? C'est? Là, si tu ne connais pas. Le plus grand don que Dieu a donné à l'homme après le salut, c'est le libre arbitre. Hein? Hein? C'est le don de la volonté. Là où je suis là maintenant, je peux jeter le micro ici. Et pas au bureau. Ce n'est pas Dieu qui m'a demandé de jeter ça. Hein? Praise God. Alléluia. Donc, on a dit que numéro 7, lorsque quelqu'un porte le Saint-Esprit, il est comment? Tous les gens qui ne sont pas venus porter le Saint-Esprit ne finiront pas l'enseignement. Si. Tu comprends ce que je dis? Ils ne vont pas finir ça. Ils vont disappear. Parce que ça, c'est une autre saison que le Saint-Esprit annonce dans cette église. Il annonce la saison des gens qui doivent porter son esprit, sa présence. Les gens qui sont venus pour les amitiés, les conflits, autres, tout ça, là, ils ne peuvent pas rester ici. Nous sommes dans une autre phase. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans quoi? Ils ne peuvent pas rester. Nous sommes dans une autre phase. La phase de la responsabilité. Tu vois, si par exemple, pendant que je prêchais, je disais que tu es bloqué comme ça, c'est ta tante. C'est que tu es chaud. Tu as grandi dans le conflit, donc tes oreilles sont déjà prêtes à entendre certaines choses. Ta tante ne peut pas te bloquer. Ta tante n'a pas le pouvoir de te bloquer. Elle ne peut pas te bloquer. Si elle te bloque, c'est que tu t'es livré à elle. Jésus-Christ est plus puissant que ta tante. Son nom est plus puissant que le nom de ta tante. Il y a des gens qui aiment toujours expliquer ce qui leur arrive. C'est une amie qui m'a fait. C'est un ami qui m'a fait. Ce n'est pas le christianisme. Hein? Comprenez? Hein? C'est le ministère de Satan, accuser les gens. Vous comprenez ce que je dis? La Bible dit que l'accusateur de nos frères est acheté. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien, c'est celui qui dit, je ne peux pas échouer, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la parole, je ne peux pas échouer. Je suis rempli de Dieu, je suis rempli de feu. Donc, et il s'apprête à confronter les difficultés et à faire face aux attaques. C'est pourquoi il dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'arme, on va forger. Attends, je t'explique. Beaucoup ne savent pas, dans ce même passage d'Ésaïe 54, il commence par dire que les armes ont été fabriquées pour... Attends. Ésaïe 54, je te montre quelque chose. Je n'étais pas encore dans le 9e point. Ésaïe 54. Verset 14. C'est Ésaïe 54. C'est verset 14. Voilà. Tu seras fermé par la justice, banni d'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Ok. Regarde. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lie contre toi tombera sous ton pouvoir. 16. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce que Dieu dit. Regarde ce qu'il dit qu'il a créé. Il dit, voici, moi l'Éternel, pas quelqu'un d'autre, hein, moi l'Éternel. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Hein?
qui souffre quoi? Le charbon au. Tu as déjà vu quelqu'un qui souffre le charbon au feu? Quand? Où? Qui a déjà vu? Où? À la maison, on faisait quoi? On a utilisé le feu de bois. Ok. Il dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Hein? Donc il peut fabriquer une arme, n'est-ce pas? Écoute ce que Dieu dit. Hein? Écoute. Il dit, et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la. Quoi? Pour briser quoi? L'âme. Donc Dieu te dit que ne crains rien. Tout c'est je suis à l'origine de tout ça. L'âme détruit. Mais il dit qu'il a aussi créé le destructeur pour briser. C'est pourquoi il dit que toute arme forgée contre toi. Parce que le destructeur de toute âme, c'est le Saint-Esprit en toi. Aïe, 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 aïe. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Et regarde le verset 17 maintenant. Verset 17. Toute âme forgée contre toi sera donc comment? Parce que le destructeur de cette âme, le briseur de cette âme, habite en toi. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Maintenant, il te faut être toi-même la justice pour condamner l'autre langue qui se lève contre toi. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Mais si tu corromps ta nature, les âmes vont t'atteindre. Si ta nature est corrompue, vous comprenez? Le chrétien doit se sanctifier. Dis Amen. Le chrétien doit faire comment? Le chrétien doit faire comment? Se sanctifier. Alléluia. Le chrétien doit faire comment? Se sanctifier. L'autre jour, il a dit, ne dis pas du mal des autres, n'est-ce pas? Hein? Combien de chrétiens sont mal à l'aise quand ils ne parlent pas mal des autres? Plusieurs. Il y a des gens que si il dit, mais comment je peux rester comme ça sans parler, sans parler des gens? Comment il, bam, il engage. Tu sais, tu as vu Tchata, tu n'as pas vu Tchata, tu as vu ses talons, tu n'as pas. Il y a toujours un commentaire. Praise God. Oh, dans un petit deux qu'on a vu l'autre jour, il dit, ne dis pas du mal des autres, rejetez la dissimulation. Amen. Hein? Verset 1 à 2, n'est-ce pas? Il dit, rejetez toute malice, rejetez la dissimulation, ne dis pas du mal des autres. Version PDV, mets ça à l'écran. Alléluia. Ne dites pas du mal des autres. Il désirait le lait pur de la parole. Il dit, voilà ça. 1 Pierre 2, 1. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des. La langue, souviens-toi, il a dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. La langue que tu es supposé utiliser pour condamner la langue qui parle mal de toi. Toi-même, tu as déjà parlé mal des autres. Ta nature est déjà corrompue. C'est pourquoi on envoie une flèche. Le matin, tu te lèves. Tu manges courbé. Comme un cheval. Parce que tu as corrompu ta nature. Frère, le christianisme consiste à élever l'esprit de Dieu qui est en nous. Je répète. Le christianisme consiste à ce que tu sois conscient du Saint-Esprit qui t'a été donné. Il dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui est en nous. Hein? Mets ça à l'écran. Il dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Dis Amen. Chrétien, regarde, ta victoire sera déterminée par la conscience que tu as
du Saint-Esprit qui habite en toi. Tu comprends? Si tu deviens conscient du Saint-Esprit qui habite en toi, regarde. Regardez. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu fait quoi? Chérit l'Esprit qu'il a fait habiter. Regarde. C'est avec quoi? Jalousie que Dieu chérit. Donc l'Esprit qui est en nous, Dieu est trop jaloux de cet Esprit. Si tu le corromptes, tu l'attristes, il est parti. Chrétien, veille toujours à ce que tu sois du bon côté du Saint-Esprit. Quand tu pries, que rien ne fasse obstacle à ta prière. Beaucoup de chrétiens sont insoumis, rebelles à l'autorité, sont des rebelles, des désobéissants. Quand ils prient, ils ne savent pas qu'ils prient étant corrompus, ayant la nature du diable. C'est qui le diable? Le diable, c'est quelqu'un qui a travaillé dans un royaume, qui s'est rebellé contre le royaume. Plusieurs ont sa nature à l'église. Plusieurs. C'est pourquoi ils prient. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas. Elles prient, ce n'est pas qu'elles ne prient pas. Mais tu ne vois pas de résultat. Elle prie avec une nature corrompue. Est-ce que tu sais que lorsque tu es à l'église et tu te révoltes contre une instruction que Dieu a donnée, contre un leader, un ministre, le pasteur, tu parles mal de l'église, tu es déjà du côté des ténèbres. Oh, beaucoup pensent, beaucoup ont l'image du diable comme on a tellement diabolisé le diable qu'il est devenu diable plus que ce qu'on pense. Diable, ça veut dire menteur, fossoyeur, celui qui est faux, celui qui est menteur. Mais à la base, son nom c'est Lucifer, ange de lumière. C'est un ange de Dieu que Dieu a beaucoup aimé. Il s'est corrompu, il a été licencié du système. Maintenant, quand tu es né de nouveau et tu es dans le royaume, tu peux le joindre. Tu peux te corrompre comme lui. Tu peux te rebeller comme lui. Tu peux te révolter. Tu peux être désobéissant comme lui. Donc tu es dans la maison de Dieu, mais tu as déjà la nature de Satan. Ah, c'est possible. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Un parmi vous cependant est un démon. C'est pas vrai. Jésus appelait Judas comment? Un démon. Beaucoup ont déjà la nature de Satan. Quand ils prient, prient avec la nature du diable. La seule prière que Dieu va écouter d'eux, c'est qu'ils se répandent, qu'ils viennent à la repentance. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne savent. Regardez, frère. Par exemple, l'autre jour, je t'ai dit que tu es marié. La manière que tu traites ton épouse ou la manière que tu es soumise à ton mari, ça va déterminer si tes prières seront obstruées, bloquées. Je ne reviens pas dessus, j'ai déjà parlé de ceci. Amen. Bon, maintenant, par exemple, tu ne sais pas ça. Toi, tu es seulement dans le mariage, tu fais comme tu veux. Tu es même sûr que tu es plus enfant de Dieu que ton mari ou plus enfant de Dieu que ton épouse. Mais ta vie n'avance pas. Est-ce que vous comprenez? Regardez, hein? Nous sommes un peuple du Saint-Esprit. Amen. Hein? Un peuple de quoi? Du Saint-Esprit. De nos jours, c'est combien l'Esprit de Dieu est à l'aise en toi qui va déterminer ton exaucement. J'ai prié pour beaucoup de personnes qui ont eu des bénédictions qui ne durent pas à cause de leur extrême mauvaise vie. Hein? Oui, c'est vrai. Priez pour des gens qui étaient presque morts, qui sont revenus à la vie. Plusieurs dans cette église. Plusieurs. Mais tu regardes leur comportement après. Tu dis, waouh. Waouh. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les promesses. Ne lui promets pas que tu vas changer. Change. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Change. Hein? Change, ne fais pas les promesses. Si Dieu me fait comme ça, je vais faire comme ça, c'est comme. Alléluia. Plus
Plusieurs parfois sont zélés à cause de la bénédiction. Dieu peut te guérir, tu es zélé. Dieu peut te donner un emploi, tu es zélé. Dieu peut te donner quelque chose, une boutique, tu es zélé. Dieu peut t'ouvrir une porte, tu es zélé. Mais ce n'est pas le vrai zèle. Le zèle qui vient de Dieu, le vrai zèle qu'on a de Dieu, c'est quand il ne nous a rien donné. C'est le zèle qui vient du Saint-Esprit. Romains 12, 11. Soyez fervents d'esprit, servez. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Praise God. Beaucoup de choses que nous disons, parce que Dieu a fait un miracle dans notre vie, ça vient de l'émotion de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi ça ne dure pas souvent. Tu peux voir quelqu'un témoigner avec enthousiasme et passion. C'est par rapport à ce que Dieu a fait. Amen. Ce n'est pas parce qu'il aime Dieu. L'amour de Dieu ne se définit pas par les circonstances actuelles. C'est sur le long, la longue trajectoire, le long trajet. C'est dans la durée ou sur la durée, l'intervalle. Comment voir si tu aimes Dieu ou pas. Et Jésus dit, celui qui m'aime garde ma parole. Alléluia. Bien. Alors suis. Suis ceci. Celui qui aime, celui qui porte le Saint-Esprit, celui qui porte le Saint-Esprit reçoit l'onction de vitesse. Ça vient du Saint-Esprit lui-même. Je vais te montrer les cas dans la Bible. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu peut te transporter, peut t'amener à réaliser certaines choses rapidement, en très peu de temps. Ça vient de la communion. Si ta communion est forte, amen. Là où les gens font 10 ans, tu peux faire 1 an. Alléluia. Regardez. Le changement de ta vie est fonction d'une chose. Combien tu vas connaître le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'est plus ici physiquement. Mais il nous a donné son esprit. Afin que son esprit soit avec nous, soit en nous et soit sur nous. Qu'il nous enseigne toutes choses. Qu'il nous annonce les choses à venir. Qu'il nous convainc du péché. Est-ce que vous comprenez? Hello. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont encore convaincus de rien? Quelqu'un peut te dire que non, moi je ne triche pas. Je suis juste avec ma copine ou mon copain. C'est mon seul copain depuis des années. Écoutez, on doit prendre le couteau, le savon, on frotte sur tes cheveux et on prie que ça traverse, ça pénètre ton cerveau. Il y a la fainéantise quelque part là-bas. Amen. Praise God. Hello. Tu peux ne pas lire la Bible et tu penses que ce n'est pas un péché, que ce n'est pas grave. Tu peux mentir et tu penses que c'est un petit péché. Hein? Tu sais qu'il y a des gens, ils mentent. Dans leur tête, ils sont pas, ce qu'ils font, ce n'est pas trop grave. Et vous savez, il y a les chrétiens qui définissent ce qui est grave et ce qui n'est pas grave. Hein? C'est pourquoi ils sont souvent prompts à juger les autres. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont fait est moins grave et ce que l'autre a fait est trop grave. Amen. Ce sont les enfants, les bébés spirituels. Alléluia. Praise God. L'autre jour, une femme a commis l'adultère et Jésus lui dit, va, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire n'arrive. Et un autre jour, un couple a menti à un apôtre. Ils sont morts en plein culte. Maintenant, voici, toi, tu manques comme tu respires de l'air et tu dis que mentir n'est pas, c'est moins grave. Je ne vole pas. Je ne bois pas. Je ne fume pas, je ne fornique pas. Et ça fait que ça forge en toi une forteresse.
Dans ta tête, tu sais que tu ne pêches pas. En mentant, tu sais que tu ne pêches pas. Satan t'a eu, il habite désormais en toi. Ananias et Saphir ont menti. Ils sont morts. Quelqu'un me comprend? Dis, je comprends. C'est à toi que je parle, balance tes mains comme ça. Balance tes mains si c'est à toi que je parle. Ok, maintenant suis-moi. Regarde. Je dis, Ananias et Saphir ont menti. Ils sont morts. On peut te demander, tu es où? Tu dis que tu es dans le taxi alors que tu ne t'es même pas encore lavé. You are lying. Mais dans ta tête, tu te dis, c'est pas grave. Attends. Tu es dans le taxi. C'est ce que tu as dit. Mais dans la vérité, tu es dans ta chambre. C'est le mensonge ou c'est pas le mensonge? Il y a des gens qui vont dire que c'est la sagesse. Que c'est la sagesse. Laquelle? Parce qu'il y en a deux. Celle du diable et de Dieu. Praise God. Hello. Hello. Est-ce qu'on est ensemble ici? Suis-moi, chrétien. Suis-moi. Marata kabayadia. La bonta kebahadia doska. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Je dis, lorsque quelqu'un parle le Saint-Esprit, reçoit quoi? Mon son de vitesse. Regarde. Un jour, un serviteur du roi appelé Abdias a été envoyé par le roi Akab pour aller chercher de la nourriture aux troupeaux, les herbes en tout cas. Et pendant qu'il marchait, il a rencontré Élie. Et Élie lui dit, Abdias, va dire à ton maître que tu m'as vu. Et Abdias lui dit que, la Bible dit qu'Abdias s'est d'abord prosterné devant lui. Il a dit, mon Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu sacrifies ma vie? Avant que je n'arrive chez Akab, l'esprit t'aura transporté ailleurs. Et quand je veux dire à Akab que j'étais vu, et on te cherche, on ne te voit pas, il va dire que j'ai menti, il va me tuer. 1 roi 18, verset 10 à 12. Alléluia. Praise God. Et ensuite, tu vas mettre le verset 46. Tu vas voir comment la main de Dieu est venue sur Élie. Regarde, quand quelqu'un porte le Saint-Esprit, regardez, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que tu dois faire au quotidien, c'est de te demander, est-ce que ma vie glorifie Dieu ou pas? Si ça glorifie pas Dieu, ça ne sert à rien de faire semblant à l'église, dans les départements, ça ne sert à rien. J'ai dit, ça ne sert à quoi? Tu vois, je suis pasteur, je dois te dire la vérité. Tu comprends ce que je dis? Il doit te dire quoi? La vérité. Ça ne sert à rien que tu fasses trop de zélé. Zélé, zélé, ça ne sert à rien. L'Éternel est vivant. Attends, commence au verset. Commence au verset 1. Abdias dit à Élie, tu veux déjà me tuer? Tu me demandes d'aller dire à Akab que je t'ai vu. Avant que je ne quitte, l'esprit t'aura transporté ailleurs. Oh my God, quelqu'un met la main sur ta tête, dit, je reçois l'esprit sur moi. Je reçois la dimension de l'esprit sur moi. Dis amen. Alors regarde, bien des jours, ça, Élie a déjà fermé les cieux. Hein. Il a déjà fermé les cieux, donc il n'y a plus de pluie, il n'y a rien. Les gens sont dans la sécheresse. Donc Akab, maintenant le roi Akab, il envoie son serviteur Abdias. Et Abdias travaille pour le roi Akab. Mais Abdias craint l'Éternel. Tu vois, tu peux travailler pour un païen en craignant Dieu. Pour plus 9 cas sur 10 ne vont pas craindre Dieu. Regarde, tu vas voir ça maintenant, ils craignent Dieu. Bien de jours, ici, dans 1 roi 17, Élie a déjà fermé les cieux. Il n'y a plus de pluie. Donc dans 1 roi 18, Akab envoie son serviteur Abdias d'aller chercher à manger au troupeau. Regarde, bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 2. Et Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Abdias,
travaille pour le pacte. Tu connais Akab? Akab, c'est le mari de qui? Jézabel. Il a un serviteur appelé Abdias qui craint Dieu. Oh, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. 4 Chalabrande le Bohosia Morataka. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Donc pendant qu'on pensait que Jézabel a tué tous les prophètes, lui il avait caché 100 prophètes. Alléluia. Mais à la suite à l'écran, tout le monde lit. 1, 2, 3, go. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Donc, il n'y a pas d'eau. Il n'y a presque plus les herbes. Donc, essaie un peu de parcourir les villages et les villes. Si tu peux trouver, tu apportes. Maintenant, pendant qu'il va parcourir les villages, pendant qu'il va parcourir les sources et tout, il va rencontrer Élie. Il se partageait le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Regarde le verset 7. Abdias va rencontrer Élie. Alors, comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? Écoute ce que Élie dit. Il lui répondit, c'est moi, va dire à ton maître, voici Élie. Parce qu'on cherchait Élie, Élie avait fermé, on le cherchait. Va dire à ton maître, voici. Regarde la réponse d'Abdias, que tu veux déjà me tuer. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? Pourquoi? Élie lui dit, que va dire à Akab que tu m'avais dit que avant que je ne parle, l'esprit va te transporter ailleurs, on va plus te voir. L'Éternel, c'est Abdias qui continue à parler. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Ça fait longtemps qu'on te cherche. On te cherche partout. Et nous savons que tu es invisible. On ne peut pas te trouver. Tu vois? Et il dit, et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Amen. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Comment? Avant que je n'arrive chez Akab, l'esprit va te transporter ailleurs. Regarde. 12. Puisque lorsque je t'aurai quitté, l'esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Quelqu'un dit, esprit de Dieu, transporte-moi. Est-ce que l'ensemble dit? L'esprit de Dieu vient sur toi, il te donne la vitesse. C'est pourquoi toutes les voies tortueuses et corrompues que tu empruntes, c'est pour ralentir ton destin. Regarde, il est l'esprit de l'Éternel. Tu vois, il travaille pour Akab, mais comme il craint Dieu, il sait que l'esprit de Dieu peut faire n'importe quoi. Regarde, il dit, puisque lorsque je t'aurai quitté, l'esprit de l'Éternel t'aura transporté, je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Il dit que depuis ma jeunesse, je crains Dieu. Pardon, ne me livre pas les mains d'Akab. Ne me tue pas, je crains Dieu. Ne m'envoie pas, dit à Akab. Oh my God, regarde la suite. Regarde la suite. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait? Il commence à expliquer à Élie que pardon. Moi, tu vois, il craint Dieu. Il t'explique même, j'ai même caché sans prophète. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Praise God. Next. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, il me tuera. Pardon, ne m'envoie pas. Alléluia. Regarde la suite. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Il dit, moi-même, je vais me présenter devant Akab. Ne t'inquiète pas. Je me présenterai devant Akab. Regarde le verset maintenant. Commence au verset 40. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Ici, il avait déjà fait descendre le feu. Il avait montré que tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté sont les faux prophètes. Ok?
Il dit que quand de l'échappe et il est saisi et Élie les fit descendre au torrent de Kizon où il les égorgea. Next. Et Élie dit à Acab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Monte, mange et bois. Donc Acab va prendre les chars. Next. Acab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. A man of prayer. This man is a man of prayer. On va voir ce point. Celui qui porte le Saint-Esprit, il devient un homme de prière. Ok. Mais pour l'instant, c'est le 9e point. L'ensemble de vitesse. Acab monta pour manger et boire. Et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Next. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Next. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Acab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Tu vois, Élie dit à Acab, attelle et descend, ça veut dire prendre les chars, pars, afin que la pluie, mais lui-même il reste, il n'a pas de char. Mais quand il va décider de courir, ce ne sera pas naturel. Au nom de Jésus-Christ. Décembre, si je te vois courir, une vitesse étrange va t'arriver. Et je vais te donner le secret tout à l'heure à la fin. Next. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Jisréel. Il est monté sur quoi? Sur quoi? Parce que Élie lui avait dit que avant que la pluie n'arrive, monte sur les chars. Tu connais les chars, non? Hein? Constitué des chevaux et autres. Regarde. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Jisréel. Regarde maintenant ce qui est venu sur Élie. 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins. Ça veut dire que il portait les vêtements de chameau et il avait une ceinture rein. Et courut devant Acab jusqu'à l'entrée. Attends. Il a dépassé Acab. Ambaranaski parada. Quelqu'un du Holy Ghost marathon. Regarde, mets ça en PDV. Je vais te donner le secret tout à l'heure. Bien-aimé, après le culte ici, la nuit ici, prends 2 heures, prie en langue. Chaque jour, trouve 2 à 3 heures. Just speak in tongues. Parle en langue. Active la nature de Dieu en toi. Cette nature n'est que déposée par l'Esprit de Dieu. Même dans tes finances, tu seras choqué. Regarde. Le Seigneur remplit Élie de force. Tu te souviens de comment il dit, j'ai choisi qui? Betsalil, je l'ai rempli, n'est-ce pas? Tu te souviens? Là, regarde, il dit, le Seigneur remplit Élie de force. Alors il attache ses vêtements pour partir. Il court devant le char d'Acab. Tu comprends quelque chose? Quelqu'un a les chars et tu es en train de courir. Au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit sur toi. Ta vitesse ce mois de décembre sera remarquable. Même dans cette église, ce sera remarquable. Dans ta cellule branche, ce sera remarquable. Dans un département, ce sera remarquable. Tu n'as pas donné le meilleur de tes amers. Tu n'as pas dit le meilleur de tes amers. Tu n'as pas toujours donné le meilleur de tes amers. Alléluia. Regarde, il dit, le Seigneur remplit Élie de force. Oh, alors il attache ses vêtements pour partir. Il court devant le char d'Acab jusqu'à l'entrée de Jisréel. Dis amen. Oh, dis amen. Dis amen. Ça veut dire, regarde, peu importe qui prend l'avance, il faut laisser l'esprit te remplir. Je n'ai pas une bonne personne ici. Les vrais chrétiens ne sont pas là ce soir. Tu es là, dis amen. Il dit, l'esprit remplit Élie. Il court. Est-ce que tu comprends? Il attache ses vêtements
pour partir. Il court devant le char d'Akab. Il court devant le char. Aïe, 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 aïe. Si l'Esprit de Dieu te remplit, écoute, tu vas courir dans tous les domaines. Dans le ministère, les affaires, les finances, dans ta carrière, dans tout ce qui te concerne. Tu n'as pas dit amen. Mais il faut que l'Esprit te remplisse. Beyoncé est rempli par Chassa Fils. C'est pourquoi les stades, tous ces gens-là remplis des stades en fonction de ce qui les remplit. C'est ce qui te remplit qui détermine ce que tu vas remplir. C'est ce qui te remplit qui détermine ce que tu vas accomplir. C'est ce qui te remplit qui détermine ce que tu vas accomplir. C'est ce qui te remplit. Et les gens qui sont remplis de plaintes, ils se plaignent toujours. La conséquence, c'est qu'ils ont la vie naturelle. Ils sont découragés. Ils sont démotivés. Mais la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne se plaignent pas, ils renouvellent leur force. Ah, j'ai dit, ils ne se plaignent pas, ils renouvellent leur force. Quand quelqu'un se plaint, c'est parce qu'il ne se confie pas à l'Éternel. Ma Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire que pendant que tu penses que c'est fini, il est en train de se confier à genoux dans sa chambre. Il est en train de prier en privé. Il est en train de jeûner. Il est en train de renouveler les forces. Quand il viendra en public, tu demanderas, il a accompli sa tâche. Je prophétise, je déclare sur ta vie l'encens naturel. L'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Cette nuit, toute relation qui te met dans la compromission, sors de là. Toute affaire qui te met dans la compromission, sors de là. Ne compromets pas l'Esprit de Dieu en toi. N'attriste pas l'Esprit de Dieu en toi. Laisse que l'Esprit de Dieu se sente libre d'agir, de prendre ta vie et de faire de ta vie un témoignage glorieux du royaume des cieux. Tu me dis amen, ça s'établit. Je prophétise sur 47 personnes dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, tu as accompli des choses extraordinaires ce mois de décembre. Tes accomplissements ne seront pas naturels. Ils seront surnaturels. Par la puissance et la vertu du Saint-Esprit. De même que Élie a rattrapé les chars, je prophétise. Je ne sais pas qui a pris les chars en janvier, en février et en mars. Ce mois de décembre, tu les rattrapes. Ce mois de décembre, tu les rattrapes. Tu n'as pas donné le meilleur de tes amens. Je dis ce mois de décembre, tu les rattrapes. En fin de deux, c'est encore possible. C'est encore possible qu'en une, deux semaines, tu réalises des choses qui ne sont pas bonnes à l'oreille d'entendre. C'est encore possible que tu fasses des choses et que les gens te suspectent. C'est encore possible que tu quittes le dernier et tu arrives le premier. Tu ne comprends pas de quoi je parle. La Bible dit la course n'est pas aux vaillants. La course n'est pas aux athlètes, ni la guerre aux vaillants. Mais c'est Dieu qui dispose des temps et des circonstances. Si l'Esprit de Dieu te remplit comme ça remplit Élie, tu vas rattraper les gens qui sont sur les chars. Pas étonnant que David a dit, cela se confie à leurs chevaux, d'autres à leurs chars. Mais nous nous rappelons le nom de l'Éternel notre Dieu. Je prophétise en tant que prophète. L'Esprit de Dieu en moi et l'Esprit de Dieu sur moi. Je parle sur ta vie. Reçois l'onction de vitesse. Reçois l'onction de vitesse. L'onction pour accomplir des choses ce mois de décembre. L'onction pour acheter le terrain. L'onction pour construire. L'onction pour accomplir des choses. L'onction pour commencer une activité et embaucher des gens. L'onction pour achever ce que tu as commencé. Tu n'as pas dit amen. Je dis tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. David a dit avant d'avoir été humilié, j'ai été égaré, je me suis égaré. Maintenant ce soir, tu as compris, ton secret ce n'est pas un homme, c'est Jésus, le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit prend le total contrôle, ta femme sera surprise, ton mari sera surpris, tes parents seront surpris, tes enfants seront surpris, même ton leader de cellule sera surpris, le ministre de ta branche sera surpris. Si l'Esprit de Dieu prend contrôle, même moi je serai surpris. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce dont il te faut, c'est le remplissage de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu a rempli Élie, la main de Dieu est venue sur Élie. Ma Bible déclare, il a pris ses vêtements et il s'est mis à courir. Chacun
Job était parti le premier. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Mais pour entrer à Israël, le premier c'était Élie. Je ne sais pas qui est parti en premier, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai. Je viens t'annoncer au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction surnaturelle. Reçois l'onction de vitesse. Reçois l'onction de vitesse. Reçois l'onction de vitesse. Ça ne vient que par la vertu du Saint-Esprit. Quand les gens ont commencé à faire des choses avant moi, certains ont commencé le travail avant moi, d'autres ont commencé le ministère avant moi, mais j'étais en train de chercher la face de Dieu. Et quand le temps de Dieu a sonné, tu ne comprends pas de quoi je parle. Aujourd'hui, je vais prêcher ici, les gens m'écoutent en Europe, ils écoutent de partout, ils appellent de partout. Quand le Saint-Esprit devient un agent publicitaire de ce que tu fais, la Bible dit quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je viens te dire, si le Saint-Esprit décide de devenir ton ami et il décide de faire ta publicité, même les aveugles vont voir ta gloire. Tu n'as pas compris, j'ai dit même les aveugles vont voir ta gloire. Même les aveugles vont voir ton témoignage. Même les sourds vont entendre ton témoignage. Je prophétise par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. Je ne sais pas ce qui était mort. Reçois l'esprit de résurrection. Je ne sais pas ce qui était mort. Reçois l'esprit de résurrection. Si tu es seulement, si tu peux dire Amen. Si tu peux dire Amen. Cette parole s'accomplit aujourd'hui dans ta vie. Il y a quelqu'un qui va parler en langue 2 heures, parler en langue 3 heures, parler en langue 4 heures. Lorsque tu vas parler en langue avant d'aller à ton commerce, lorsque tu vas parler en langue avant de sortir évangéliser, lorsque tu vas parler pendant 1 heure, parler pendant 2 heures, parler pendant 3 heures, ce ne sera plus toi qui seras en train de parler. L'Esprit de Dieu aura pris le contrôle. Lorsque tu iras, tu vas commencer à dire à quelqu'un, suis-moi. Jésus a dit, Matthieu, suis-moi. Sans débat, il a suivi. Jésus a dit, Philippe, suis-moi. Sans débat, il a suivi. Il a dit, Pierre et André, suivez-moi. Sans débat, ils ont suivi. Les gens débattent quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui se fâche cette nuit. Tu vas rentrer prier. Tu vas cesser de causer. Tu vas cesser de manipuler le téléphone. Tu vas cesser de visionner. Tu vas aller prier. Assez, c'est assez. Je dois expérimenter la présence de Dieu, moi aussi. Je ne suis pas venu seulement écouter les témoignages des gens. Je ne suis pas venu seulement acclamer les gens. Il est temps aussi que Dieu se manifeste et se glorifie dans ma vie. Alors, toute chose qui te met dans la compromission, sors de là. J'ai dit, sors de là. J'ai dit, sors de là. Arrête la compagnie qui t'amène à calomnier les gens. Arrête la compagnie qui t'amène à investiguer dans la vie des gens. Tu n'es pas leur Dieu. Il dit que si, qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Il dit, s'il tombe, même s'il tombe, son maître le relèvera et il tiendra debout. Certains sont corrompus parce qu'ils ont passé le temps à juger les autres. D'autres sont corrompus parce qu'ils ont quitté leur couloir et ils sont en train de courir dans le couloir de quelqu'un. David a dit, avant d'avoir été humilié, je me suis perdu. Mais cette nuit, par la repentance, tu peux revenir dans ton couloir. Tu peux décider de prier cette nuit. L'Esprit de Dieu va te remplir. Sa puissance va te remplir. Et l'Esprit a rempli Élie de force. Et quand il s'est mis à courir, il a rattrapé les chars. Je viens t'annoncer, peu importe qui est sur les chevaux, peu importe qui est sur les chars, par l'Esprit de Dieu, tu vas les dépasser. Par l'Esprit de Dieu, tu vas les dépasser. Alors, il y a un leader qui va prier non-stop. Il y a un ministre qui va prier non-stop. Je vois ta cellule se multiplier. Ta branche se multiplier. En une semaine, je dois remporter le prix de Stéphane 2. Je dois remporter Stéphane de deuxième édition. Parce que c'est ta résolution qui va déterminer le succès. À tes résolutions répondra le succès. Tu viens d'avoir la clé cette nuit. Si et seulement si tu décides de prier. Il y a quelqu'un ici, ça bouillonne déjà dans ton esprit. Ça bouillonne déjà dans ton esprit. Tes intestins tournent déjà. Parce que le feu est en train de s'allumer. Jésus dit, je suis venu jeter un feu. Et dit, qu'as-tu la fait si le feu l'a déjà jeté? Je t'annonce que le feu brûle en toi. Ne laisse pas le feu là s'éteindre. Ne laisse pas ça s'éteindre. Quand tu vas sortir d'ici, sois en parlant en langue. Avant de dormir, prie en langue 2 heures. Le matin avant de sortir, prie en langue 2 heures.
ce que tu iras faire, tu seras échoqué. L'Esprit de Dieu va prendre le contrôle. L'onction de Dieu va prendre le contrôle. Les anges vont t'accompagner. Je t'annonce, tes résultats ce mois de décembre seront plus grands que tous les résultats de tes 11 premiers mois. Le premier qui se lève et dit amen. Thank you, Jesus. Balance tes mains, dis merci à Dieu. Parle en langue. Ne te tais pas, parle. Parle. Ne laisse pas le feu là, c'est un parle. Active ça. Mets-toi sur tes jambes, parle en langue. Parle. Parle. Parle, l'Esprit de Dieu. Tu vas accomplir quelque chose. Tu vas accomplir quelque chose. Rota kalamayada. Imaswala katayabada. Imbura takatika parana shada. Linta kabaye. Quand les gens seront en train de causer, il y a quelqu'un ici qui sera en train de d'allumer le feu. You will be cooking yourself. You are cooking yourself with fire. You are cooking yourself. You are cooking. I say you are cooking yourself. Par la langue. Masuzuzuguda. Ibrada gada gada gada. Igodogole gada gada. Shagada gada gada gada. Ibrada gada gada gada. Si l'Esprit de Dieu prend le contrôle, tu vas dépasser les champs de cap. Si l'Esprit de Dieu prend le contrôle, tu vas rattraper les mois de retard. Si l'Esprit de Dieu prend le contrôle, tu vas rattraper les années de retard. Si l'Esprit de Dieu prend le contrôle, tu vas rattraper ceux qui t'ont dépassé. Par la langue. Parle, parle. Morata kabarada shata. Ranta kabaraka de yebosha. Remata kabayande geboseya. Ranta la kalabade. Isalamala diata. Parle en langue. Parle en langue. Muranta kabayede. Voici le secret. La Bible dit quand les apôtres ont prié, la terre a tremblé. Les signes les accompagnaient. Les signes vont t'accompagner. Les miracles vont t'accompagner. Pourquoi Daniel a résisté face à la fausse lion? Il priait trois fois le jour. La prière lui a donné la force à l'intérieur de lui. Face à la fausse lion, il n'a pas tremblé. La prière fortifie quelqu'un. La fruit de prière, ça bâtit ton homme intérieur. Et prier en langue, ça t'édifie. Ça active le ministère des anges. Ça t'ouvre les portes. Manranta kabarede. Il dit celui qui parle la langue dit des mystères. Dit des mystères. Dit des mystères. Rebashanda ragabayada. Rakata kabarakadosa. Ibrata la kabayadia. Mazwaza zekelia kata. Ibrata duduguzia. Brakadadagadia. Bredede zeyata. C'est le moment de parler en langue. C'est le moment d'ouvrir les portes. Mantakabo Shapaya Imparataya Babos Marata Kabaradayada Rata Kabum Takibaradiata. Haha, c'est le moment de prendre les ailes. C'est le moment de voler comme un aigle. C'est le moment de voler. C'est le moment de prendre des ailes. Pendant que tu parles la langue, Likabon Teleketia, l'Esprit de Dieu te donne les ailes. Il te donne les ailes. Il te donne les ailes. Il te donne les ailes. C'est le temps de parler en langue. La kebonte keberiada. Sois beaucoup plus sérieux par la langue. Jean Quanta Kabaradadia. Limanto le kebarakata yabadosh. Zemente kepediada. Aucun mauvais esprit ne résiste. La présence de Dieu est forte. Le feu de Dieu remplit le lieu. Remplit le lieu. Le gobonte kebedia. Embarakatu pariada. Les richesses se manifestent. Les richesses se manifestent dans cette église. Les millionnaires sont suscités, les milliardaires. Les gens qui donnent en millions et en milliards dans cette église pour le royaume. Des millionnaires, des millionnaires. Des riches pour le ciel, la gabadumba ria takabomba, embakutu peke tike peke, la katuku badiga, embakata kabadege bosa. Le téléphone de quelqu'un va sonner ici pour la bonne nouvelle. La bruta kabaria, embaki
pakou, tekim pakatia. C'est le mois de la vitesse surnaturelle. C'est le mois de la vitesse divine et surnaturelle. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pendant que tu vas parler en langue, je te vois t'éloigner de l'iniquité. La Bible dit que quiconque envoie le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le feu te remplit ton esprit. Le feu remplit ton esprit. Laborata kabareadi yada. Bontala kabayada. Le Saint-Esprit habite en toi. Active sa puissance. Active sa présence. Parle en langue. Jeba kakumbedia. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. L'Esprit de Dieu habite en toi. Les miracles vont s'opérer avec toi. Parle en langue. Makalayabadea. Lanta kabaleyano. Lembanti kabonte kebarianaska. Ziantwa kaleyabade. Baradash kalabayadiga baranoshke. Parle en langue. Parle en langue, parle en langue. La gabu teleyata. Zabadagalakataya. Barakataya noshka. Zikatatata bradiyada. Mbakatata kabadiya. Brataka barusaka. Jakatata kataya. Mbrataka baria. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Yes, yes, yes. Les anges sont en train d'opérer dans l'esprit. Ils opèrent en notre faveur. Ils opèrent en notre faveur. Ils opèrent en notre faveur. Nous ne pouvons pas parler en langue comme ça sans que les choses ne se passent. Nous disons les mystères à Dieu. Ha ha ha. Parle en langue. Shada la bayada da gabala diada zibede galega diya kada braga diya kada ga zibede galega diya mandele kutiya maranta lega bodi kediya do rumanta kama kada ya bo rata kabadi ya da rando lezia manda la bayada gebo shala bayada gabala diya brata lega bo siata palalang palalang zakata tagada da galia ibraka kaka kaka dush zakadudu gudish pal. Parle en langue. Zepete kelia takaba. Zanta takaba de gebo sandele yabade. Brata la bayadada. Zibede gelegedia. Ibrata kapati kadosh. Japada galagadia. Imparataya zepete keperiano lupakaka kakaduda jakaka kwata. Parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Bontala kabayadia. Va dire avec la caméra là. Enlevez la caméra dans ses mains. Elle ne s'est pas filmée. Enlevez la caméra. Jean qui reste sur place avec la caméra. Enlevez ça dans ses mains, j'ai dit. Bantaka la bouche, ta la bayadadia. Le brota kabayadia. Zinta la gabaria. Bontali bratia dashka. Palala, palala. Zwata kabadia. Zeketeke digatiba. Imparata kabuntelie. Preta kabadia. Je te vois transporter le même feu chez toi, là où tu travailles, là où tu vas. Prie Allah. Prie Allah. Zaprata kabadia. Zwatata kakwatia. Prie Allah. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Lève tes deux mains. Le feu est en toi.
transporte ça partout. Active sa nature. Fuis l'iniquité et laisse que l'Esprit de Dieu se glorifie de sa présence en toi. Laisse que l'Esprit de Dieu se glorifie de sa présence en toi. Laisse qu'il se glorifie de sa présence. Si l'Esprit de Dieu prend contrôle et se glorifie, rien, aucune force naturelle, humaine ne peut te stopper sur terre. Rien ne peut te stopper. Rien. Mais, ne connaissant pas les Écritures, nous avons attristé son esprit plusieurs fois. Et c'est ça qui explique pourquoi les gens, ceux qui sont à l'église, on les vit qui n'avancent pas. Ce n'est pas seulement le fait d'offenser un frère ou une soeur ou le pasteur. C'est que tu ne sais pas qu'au-dessus de tous ces gens, il y a le Saint-Esprit. S'il est attristé à cause de toi, il ne répond plus à tes prières. Tout ce que tu fais, ça n'a plus de sens. Tu seras attristé, frustré. Que tu pries, il n'y a pas de réponse. C'est lui le maître. On force même, on déclare, on décide de prier pour toi, rien. Parce que nous ne pouvons pas l'obliger à exaucer quelqu'un. Et la conscience de je ne dois pas attrister le Saint-Esprit. Et cette conscience n'est pas la conscience de quelqu'un qui doit prier seulement. Et la conscience de l'Esprit de Dieu, je ne dois pas l'attrister. C'est lui qui répond. C'est lui qui est sur terre pour sanctifier nos paroles, nos prières. Et pour ne pas l'attrister, il t'a donné sa parole à travers la Bible. C'est pourquoi en étudiant, tu découvres ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il veut que tu fasses. Tu te soumets et tu attends calmement le silence de l'Éternel. Tu attends le secours de l'Éternel en silence, je veux dire. Tu attends calmement le secours de l'Éternel dans le silence. Peu importe comment ta vie semble brisée, si le Saint-Esprit prend le contrôle et est glorifié, c'est une question de temps. Il va mettre tout le monde dans la confusion à ton sujet. Il dit bien, il va mettre tout le monde. C'est lui qui fraye le chemin. Il peut te créer une relation là où il n'y en a pas. Pas ta relation que tu peux créer toi-même. C'est lui qui peut. Il crée des. L'autre jour, quelqu'un m'a appelé de Suisse. Il m'écrivait de Suisse et il me disait, je veux qu'on garde. Un homme de Dieu me dit, je veux qu'on garde le contact. Le Saint-Esprit décide de frayer un chemin. C'est lui qui crée. C'est lui qui a créé le chemin à Israël. De l'Égypte pour là où il devait entrer. C'est tout ton christianisme, c'est de veiller à ne pas l'attrister. C'est pourquoi on te dit qu'un homme porte le Saint-Esprit. Je ne parle pas mal des hommes de Dieu parce que j'ai peur d'eux. Je crains l'esprit qui les utilise. Je crains le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit commence à te combattre, c'est la fin de ta vie. That's the end. Ça, c'est Dieu lui-même. That's the end of your life. Même partout où tu penses qu'on peut t'aider, il n'y aura rien. Il peut endurcir. Il dit le cœur des rois est dans ma main comme un courant d'eau. Il peut endurcir les cœurs. Personne ne t'aide. C'est pour dire que si il agrée tes voix, quand il approuve, agrée veut dire approuver, il accepte. Il dispose favorablement à ton égard. Même les ennemis, même les gens qui ne t'aiment pas, l'Esprit de Dieu les oblige leur cœur. Mais ce n'est plus ta prière. Ici, c'est ta vie qui intervient, le genre de vie que tu mènes. J'ai prêché un message il y a beaucoup d'années où je disais, ta vie est ton exaucement. Il dit dans Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Donc quand tu commences à veiller, pas à vouloir, le chrétien ne court pas après les richesses. Ces histoires que vous écoutez sur Facebook, oh, développe ta vie, le développement personnel, améliore ceci, fais comme ceci, mets les projets, cours après l'argent et tout ça, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, ça vient de l'esprit du monde. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont abonnés sur beaucoup de pages, sont inspirés par les satanistes et les mondains. Dans Matthieu 6, il a dit, le Père céleste, il sait ce dont vous avez besoin avant que vous n'ouvrez votre bouche. Il dit que tout ce dont tu t'inquiètes, ce sont des païens qui s'inquiètent de ces choses. Donc tes inquiétudes peuvent prouver que tu es païen. Matthieu 6, 28. Tes inquiétudes peuvent prouver
que bien que tu sois à l'église, tu n'es pas du royaume. La preuve, maintenant, ta vie alors montre. Ta vie est remplie de débrouillardise, de sécheresse, de surplace. En te disant, la Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Mais ta vie ne révèle aucune gloire. Regarde. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voilà la volonté parfaite de Dieu. Jésus ne pourra pas. Si tu veux, tu t'inquiètes au sujet de ces choses. Ça te regarde. Tu auras les conséquences dans cette vie. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est ce que vous en avez besoin. Maintenant, c'est ce que vous en avez besoin. Maintenant, le verset 3, il te dit, voilà ce pourquoi tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter du fait que tu ne portes pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu peux pleurer 100 ans. Il t'a dit ce que tu dois rechercher. Son esprit qui est le royaume. Tu ne recherches pas ça. Aucun iota ne va disparaître. Tu peux pleurer 100 ans. Étant à l'église, tu changes l'église. Ta vie est toujours la même. Il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. De quoi se vêtir, de quoi manger, de quoi. Il dit ce sont les païens. Le chrétien doit se rassurer de plaire à Dieu. Voilà ce qu'il doit rechercher au quotidien. Peu importe là, ce n'est pas l'emploi qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et tu peux pas avoir une nature contraire à sa parole. Et il t'enrichit, impossible. C'est la bénédiction. Une jeune dame est venue ici l'autre jour de l'Italie. Vous avez vu sa vie. Elle a des problèmes. Quelle prophétie sur elle ici, elle a pleuré. Tu vois, ce n'est pas l'étranger qui bénit. Ce n'est pas le mariage. C'est la bénédiction de l'Éternel. Combien je crains Dieu et je plais à Dieu. C'est ça qui doit être. Au quotidien, tu n'as pas te demander, j'ai eu combien comme finance aujourd'hui? Mais combien je plais à Dieu aujourd'hui? Combien je vais plaire à Dieu tout à l'heure? Combien je plais à Dieu? Combien je plairai à Dieu demain? Beaucoup veulent faire beaucoup de choses, se battent. Ne plaisant pas à Dieu, veulent faire des choses et Dieu ne les accompagne pas. C'est pourquoi ils se battent et ils ont l'impression que les choses sont dures. Regarde. Regarde. Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est ce que vous en avez besoin. C'est que vous en avez besoin. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Regarde le verset 33 maintenant. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, quelles sont ces choses? Il a cité ça, ce n'est pas les choses à imaginer. Il a cité ça. Reviens au verset 28. Reviens au verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four,
ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? 31. Ne vous inquiétez donc pas. Si Dieu te demande de ne pas faire quelque chose, tu fais ça, c'est un péché. T'inquiéter de ce pourquoi il t'a demandé de ne pas t'inquiéter. Tu as tes péchés. Et dans ton péché, tu pries. Tu pries quoi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Tu es ici? Est-ce que tu es toujours ici? Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens. Reviens au verset 31, au cas tu ne comprends pas. Les choses là, les choses ici. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, numéro 1, que mangerons-nous? Tu te soucies de ce que tu vas manger demain. Que boirons-nous? De ce que tu vas boire demain. Que de quoi serons-nous vêtus? Là où je serai logé, ce que je vais porter. Il appelle ça au verset qui suit. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est pourquoi ils veulent toujours être à la mode. C'est pourquoi ils doivent briller. Ils se font appeler les influenceurs. C'est pourquoi? Oui, ce sont des païens. Ils veulent être à la mode. Ils veulent se faire voir. Maintenant, pour nous, et là, ce qu'il nous dit au verset 33. Si tu ne comprends pas l'évangile, tu seras à l'église et ta vie va retarder pour rien. Et là, le verset 33. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, de quoi je vais manger, ce que je vais manger, ce que je vais boire, ce dont je vais me vêtir. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, tant que tu n'as pas cherché pour mettre le royaume et la justice, tu perds ton temps à l'église. Les chrétiens ne devaient pas avoir les faux sujets de prière qu'on voit. Ce sont les païens qui entrent ici qui devaient avoir les... Papa, j'ai un sujet de ça, 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 ça. Parfois, beaucoup de choses qu'on demande à Dieu, rien n'est dans son plan dedans. Rien dedans n'est dans son plan. Mais la raison pour laquelle nous forçons nos plans, c'est parce que nous n'avons pas renoncé à notre vie. Ce n'est pas sa vie qu'on veut. C'est qu'on on veut qu'il nous aide à briller. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données. Par-dessus. Donc au quotidien, même que tu es là, tu dis, je n'ai pas eu l'argent aujourd'hui. Tu devais te demander, qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu a pris plaisir. En quoi ma vie a glorifié Dieu le matin-ci, à midi-ci et ce soir? En quoi? Mais ta vie est remplie de beaucoup de choses. Tout ce que tu demandes, c'est miséricorde, miséricorde. Ayant la préméditation d'aller faire encore notre mal, en demandant miséricorde, sachant que tout à l'heure tu vas faire quelque chose que tu as déjà prémédité. Demain matin encore, you are fake. Et tu es en train de jouer avec le feu, tu joues avec Dieu. Regarde. Tu comprends cette chose, frère Bruno? Quand tu comprends ce qui est là. Il dit que toutes ces choses, ce sont les païens. Donc tu veux reconnaître les païens à l'église. Regarde le sujet de prière. Alléluia. Si nous commençons à pratiquer les actes de justice. Par exemple, évangéliser, c'est l'acte de justice. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas que les autres périssent. Alors je les atteins avec l'évangile. Ça veut dire que j'aide Dieu à accomplir ses projets. Tu comprends? Je ne veux pas évangéliser. Je suis en train d'aider Dieu à accomplir ses projets. Ok. Maintenant, je me sanctifie, je prie, je jeûne. Je vis dans la sainteté. Je suis en train de dire à Dieu, je cherche premièrement le royaume et sa justice. Maintenant, le reste sera donné. Oh, les gens à l'église cherchent le reste. Toutes ces choses, c'est ce que les gens cherchent. Quand tu les vois, ils sont contents, ils témoignent. Écoute leur témoignage. Depuis que l'église est ici, l'église, 6 ans, je mets à défi tous les chrétiens ici. Aucun chrétien ne s'est jamais placé ici. Et il a dit que ma fierté, c'est que je viens de gagner 5 âmes. Qui sont engagés à l'église, les voilà. Aucun. C'est toujours été malade. Papa, j'ai prié. J'ai touché le vêtement de papa. Il passait. Il m'a apparu.
qu'elle a parlé, moi j'ai eu le contrat. Donc tout ce qui témoigne sont les choses des païens. Ah, les âmes sont tristes. La tristesse selon Dieu pousse à la repentance. C'est pourquoi il n'y a pas de véritable témoignage dans les familles. Hein? Hein, papa, il va que c'est. C'est pourquoi il n'y a pas de véritable témoignage dans les familles. Il n'y en a pas. Parce que la justice n'est pas prête. Regardez, il cherche simplement le royaume de Dieu, sa justice. C'est de la justice de Dieu d'atteindre les autres avec l'évangile. Parce que tu ne veux pas qu'ils périssent. Tu veux aider Dieu à, que, tu veux aider Dieu à les gagner. Mais voilà le sujet de prière. Voilà le sujet de prière. Je veux que ma fille se marie. C'est ça. Mon père est dans le coma. Je veux qu'il sorte du coma. C'est ça. Ma femme ne parvient pas à accoucher. Je veux qu'elle tombe enceinte. Voilà le genre de prière qu'on a à l'église. On n'a que des choses qui ont pour centre d'intérêt nous-mêmes. Hein? Quand ta femme sera enceinte et elle accouche, tu crois que ça glorifie Dieu? Ça édifie qui? Ça sauve qui? Attends, tu tombes enceinte, ça sauve qui? Dis-moi qui ça sauve. Hello? Hein? Hein, c'est chancelier. Une femme qui tombe enceinte parce qu'elle était stérile, ça sauve qui? Ça sauve ses voisins. Ça ne sauve personne. Personne. Pendant que tu tombes enceinte à l'église, certains tombent enceintes chez Mahabou. En fait même, pendant que tu tombes enceinte à l'église, certains n'ont jamais eu les problèmes de sécurité. On 22 enfants. Donc une équipe de football avait les remplaçants complets. Tu comprends ce que je dis? Hello? Le simple passage de Matthieu 6 là, beaucoup n'ont pas compris ça. Il dit, ne vous inquiétez donc pas de ce que vous allez manger. Ne dites pas, qu'est-ce que nous allons manger demain? Qu'est-ce qu'on va boire? De quoi serons-nous vêtus? Il dit, toutes ces choses qu'il cite, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas un prophète. Il dit, ce sont des païens qui les recherchent. Donc quand tu pries, Dieu te regarde, il voit un païen. Parce que à travers, il te juge à travers quoi? Sa parole. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu juger les gens, mais les sauver. Il dit, mais la parole que je vous annonce, c'est elle qui vous jugera. Donc Dieu te juge sur la base de sa parole. Quand tu pries, Dieu écoute le contenu de ta prière. Et il voit ce que tu cherches dans la prière là. C'est pourquoi il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens. Est-ce que Dieu est contre le travail? Non. Mais quand il voit que ce n'est que ta préoccupation, ce n'est que ta préoccupation, ce n'est que ta préoccupation, tu ne cours pas après, tu ne te dis pas, où je vis mal, je fais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, je vole les bouteilles plastiques de mon patron, je vole les formats au bureau, je rentre avec. Dieu n'est pas content. Le reste de lait au laboratoire, je prends souvent ça, je rentre avec. Dieu n'est pas content. Je parle mal, je jongle, je mange au pastel, Dieu n'est pas content. Tu ne te demandes pas, est-ce que je suis pratique, frère? C'est la justice de Dieu après laquelle tu cours qui va déterminer ce que tu vas devenir au milieu des hommes. Daniel ne cherchait pas le poste. Daniel cherchait la justice. Il priait 3 fois le jour. Ah, God, comment je vais parler, les gens vont comprendre. Ah, il est temps de faire les croisades. Ma voix à l'église deviendra trop rare en 2024. Parce que maintenant, c'est le temps pour moi de sortir, d'organiser les grandes croisades. Et il y aura des manifestations étranges. Ça sera compliqué. Le temps où j'ai passé plus, hein, la grande partie de mon temps que j'ai consacré à l'enseignement, c'était jusqu'à décembre 2023, c'est où je vais continuer à enseigner, mais tu vois, c'est le temps d'aller dehors. Programme sur programme, amener les gens, susciter les leaders. Donc en fait, plusieurs qui attendaient des conseils ou je ne sais pas, frère, ce temps-là ne sera plus possible. L'église va se remplir. Le signal m'a été donné, c'est le temps. Le Seigneur Jésus revient très très bientôt.
c'est le temps d'aller dehors, organiser des programmes dans les stades, dans les salles. Ce temps a sonné. C'est le Saint-Esprit. Et tu vas voir des miracles extraordinaires. C'est le Saint-Esprit. Ton quotidien, tu dois te poser une question. Ma relation avec le frère, est-ce que je crains Dieu? La manière que je le regarde, la manière que je lui réponds. C'est pourquoi il y a des gens qui sont autour de moi. Quand ils ont des soucis, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Je sais moi-même que même si on leur impose les pieds et les mains, Dieu ne peut pas bénir, changer leur vie. Ils attristent le Saint-Esprit seconde après seconde. Ton plus grand challenge, c'est de rendre le Saint-Esprit heureux en toi. Quand je dis heureux, c'est de le glorifier. Amen. C'est de faire quoi? Le glorifier. Tu connais combien de chrétiens qui arrivent à l'église avec son petit ami, on parle, ils rentrent, ils se séparent. Ils trouvent le moyen que est-ce que Dieu Praise God. Tu connais combien de chrétiens qui aiment les dettes et on parle, ils arrêtent les dettes. Ils continuent les dettes. Il continue à s'endetter. Pourquoi? Parce que la recherche de la justice, il dit chercher pour moi le royaume de sa justice. La recherche de la justice a quitté le centre. La recherche de la justice n'est plus le centre à l'église. Yubé Angela dit le toujours, il dit que plus de 90% des chrétiens vont partir en enfer. C'est un dangereux prophète. C'est l'un des prophètes pointus. De notre Ésaïe, c'est l'un des prophètes pointus, très pointus. Amen. Praise God. Parce que regarde, la Bible dit que la justice exalte une nation, n'est-ce pas? Mais le péché fait comment? L'iniquité? Comment? Righteousness exalts a people. But sin what? Destroys a nation. Amen. Sin is a reproach to a nation. C'est reproche. La recherche, tous les gens que vous voyez Dieu utiliser là, pendant que Dieu les utilise, ils continuent à chercher qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne plaît pas à Dieu, c'est tout. Et après, tu vas voir, bam, il reçoit les voitures, reçoit ceci, reçoit cela. Toi, tu penses maintenant que je travaille avec lui, il me faut aussi ma part. Élisée ne cherchait pas les biens hauts. Quand Naaman est venu vers Élisée, c'est Élisée qui lui a demandé les richesses. Ok. Mais Gehazi, lui, cherchait ça. Lorsque tu es à l'église, ce que tu dois chercher, c'est la justice, la crainte au quotidien. Pas combien tu as gagné aujourd'hui. Ça irrite le Saint-Esprit. Hein? Si on met Proverbe 1, verset. Regardez. L'église aussi est élevée tous les jours parce que nous cherchons la justice de Dieu. L'église aussi n'a pas commencé comme ça. Si je devrais chercher le gain, je suis hautement diplômé. Numéro 1, j'allais déposer les dossiers quelque part, chercher un salaire au moins de 400 000. Dire que quand je vais économiser l'agence, là, je vais ouvrir la salle. Ce qui m'intéressait, c'est comment, combien craint de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis beaucoup de personnes dans la confusion. Quand j'ai commencé l'église, que ce soit sur Dikombo, Kalfou et tout, Sawalan, et ici. Enfin, ici même, où on a mis beaucoup. Plusieurs pasteurs disaient que regardez les gens, ils sont dans le noir, ils sont perdus. Parfois, on rentrait après le culte ici, les gens disaient que voilà les gars qui font le bruit dans le noir. Nous, nous ne faisons pas le bruit dans le noir. Nous cherchons la justice de Dieu. Comprenez? La justice de Dieu. C'est pourquoi tu ne devrais pas t'inquiéter, par exemple, pour la vie de ta fille qui ne doit pas ou de ton fils. Tu dois te mentir. Regarde, ce que David a appris à Salomon, c'était quoi? La crainte de l'Éternel. Hein? Regarde ce que Dieu lui a donné. La sagesse et les richesses. Vrai ou faux? Ce que tu devrais chercher, c'est combien tu crains Dieu. Combien tu l'honores et ta vie le glorifie. Ce n'est pas, tu n'es pas déjà marié ou tu t'es marié. Ça, c'est pas important. Tu peux te marier, le mariage devient un enfer pour toi. Vrai ou faux? Alors, est-ce que vous comprenez? Deux personnes disent amen. Quand les gens ne viennent pas à l'église pour la vérité, dès que tu leur dis la vérité, ils se sentent offensés. Ils sont offensés. Ils sont comment? Offensés. Certains viennent à l'église avec tous leurs démons. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils veulent que Dieu les utilise. Des magnéties à l'église.
d'ingamsi à l'église. Hein? Praise God. On m'a dit toujours une autre stupide. Disait que, oh vraiment, l'homme de Dieu m'a imposé la main, la force est sortie de moi. Avec, c'est pour te délivrer. Is to deliver you. Plusieurs fois tu as été délivré, c'est avec ta famille. Dis-moi. Praise God. Tous ces gens qui causaient des confusions à l'église, tu ne peux pas rester à Holy Ghost. Tu ne peux pas rester où? Tu ne peux pas rester à Holy Ghost. On t'impose la main, tu manifestes des démons, tu dis que la force sort de toi. Quelle force? Tu n'es pas un démon. Et en plus, s'il y avait la force en toi, si quelqu'un des ténèbres, il te touche, qui devrait ressentir le choc? Hein? Ce n'est pas celui qui a les ténèbres. Si c'est toi qui ressens le choc, c'est quelqu'un qui a les ténébreux. Tu vois, il y a des gens qui ne raisonnent pas bien. Amen. Attends, entre nous, Satan touche Jésus. Hein? Hein? Ou Jésus touche Satan. Et c'est Satan qui a le choc. Et Satan dit qu'il faut se sortir de moi. You are very stupid. Amen. Praise God. Tu ne vois pas comment j'étais délivré ta famille dans le péché. Alléluia. Praise God. S'il vous plaît, vous qui êtes chrétien ici, accrochez vos enseignements et discernez des personnes qui sont des infiltrés parmi nous. Amen. Il y en a plein. Ce n'est pas seulement Holy Ghost. Ça a commencé avec l'église de Jésus. Il y avait un démon. Ensuite, l'église de Pierre. Il y avait Ananias et Saphira. C'est vrai? Voilà. Praise God. Ma prière, c'est que le feu de l'esprit, que ta seule soif, c'est que tu glorifies le Saint-Esprit au quotidien. Et il est dans les petits détails. La manière que tu réponds à une soeur peut déterminer comment il va s'attester toute la journée. Et tu l'as, tu pries. Il est parti depuis. Ce n'est que le bruit que tu fais. Tu comprends ce que je dis? Il est parti depuis. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Frère, la plus grande, le plus grand, c'est pourquoi Paul dit le combattre le bon combat de la foi. Mon plus grand combat sur terre n'est avec personne. Mon plus grand combat, c'est de veiller que le Saint-Esprit soit glorifié en moi. C'est ma plus seule, ma plus grande bataille. C'est la seule chose. Tant qu'il vient en moi, je sais que peu importe votre nom, vous vous levez contre moi, je vous écraser comme la pierre écrasée passe sur les arachides. Le plus grand combat du chrétien, c'est combien l'Esprit de Dieu est glorifié par les enseignements que je pratique. Combien, c'est ton plus grand combat. Ce n'est ni ta femme, ni ton mari, ni tes frères, ni tes soeurs. Combien le Saint-Esprit est glorifié. Or, au quotidien, il est attristé plus d'un milliard de fois. Au quotidien. Par tes paroles, par tes pensées, par tes actes. Il est attristé, attristé. Tu manques, tu voles, tu détournes, tu ruses, tu fais la dissimulation, tu fais des choses, tu ne te rends même pas compte. Après, tu pries. Voilà la vérité de la chrétienté. Combien l'Esprit de Dieu, combien au quotidien, il se sent à l'aise en toi. Frère, quand tu n'as même pas besoin de toujours prier, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que j'ai telle chose, tu vois ça arriver. Ce n'est pas toi qui amène ça, c'est l'Esprit de Dieu qui a dit. Mais quand il est attristé, tu pries. Tes paroles, il n'y a pas le Saint-Esprit, ce sont des paroles vides. Or, l'être humain a la capacité de bien articuler, de bien parler. Tu peux venir ici, tu exhortes, tu parles. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura rien. Tu peux bien prêcher, bien. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura rien. Mais dès que c'est sous l'onction du Saint-Esprit, tu vas voir la différence. Are you going to do this, Otobon? C'est le seul challenge des chrétiens. Tu es attristé. Tu parles, tu dis des choses méchantes et toute ta vie. Ah, regarde, ta vie, elle est remplie de confusion. Remplie de confusion. Parce que l'Esprit de Dieu est attristé. Frère, c'est le plus grand combat du chrétien. Si l'Esprit de Dieu est à l'aise en toi, wait for it. Attends, tu vas voir ce qui va se passer. C'est ton plus. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est jaloux contre toi et t'a stoppé. Impossible. Tu es fou quoi? L'Esprit de Dieu est en toi et tu dis que quelqu'un t'a bloqué. Dieu est en toi. Dieu. Te voici. Dieu est dedans. Il est au-dedans de toi. Et son esprit est sur toi et en toi et avec toi. Et tu dis que quelqu'un t'a bloqué, que je n'avance pas. Dieu. On a bloqué Dieu. Arrête un peu les bêtises. Hello.
Arrête les bêtises. Même quelqu'un qui s'assoit sur ton dossier au bureau le même jour, il est muté. Il dit on l'affecte au fond du nord là-bas. Et quelqu'un d'autre vient. C'est la vérité. Ton problème, c'est que tu ne connais pas. C'est pourquoi je dis aux gens, vous qui vous accrochez derrière les gens, tu t'accroches derrière ta copine, derrière ton copain, derrière tel. Tu seras esclave de la personne derrière qui tu t'accroches. Tu vas souffrir des grandes souffrances derrière cette personne. Comme la femme qui a essayé, elle a souffert de grandes souffrances derrière les plusieurs médecins. Tu vas souffrir des grandes souffrances derrière les gens sur qui tu t'accroches. Laisse le Saint-Esprit t'amener dans les moments. S'il t'amène dans le manque, c'est pour t'enseigner quelque chose. Il va te mettre dans l'abondance. Le Saint-Esprit, je prie que tu laisses qu'il te remplisse. Et il ne te remplit que lorsque tu lis la parole, tu pratiques la parole et tu pries en langue. C'est ton seul combat. Ton combat n'est pas, il m'a calomnié, elle ne me salue pas, il ne me salue pas. Ça, c'est des choses des feignants de l'enfer. Ton combat, c'est que quand j'arrive, même celui qui me déteste, il voit la gloire. Mais il va voir ça comment? Parce que je glorifie le Saint-Esprit. Si je ne glorifie pas le Saint-Esprit, même si les gens m'acclament, c'est pour quelques instants, c'est pour quelques temps. Ça va disparaître. Mais il vous enseigne le christianisme authentique. Hein? Comprenez? Pas les gens des gens qui sont possédés. T'enseignes la chrétienté. Regarde là où tu es. Maintenant, par exemple, le Saint-Esprit a dit, soumettez-vous à vos conducteurs. Toi, tu es rebelle. Il s'est attristé déjà. Mais tu ne sais pas ça. C'est lui qui parle dans la Bible de Genèse à Apocalypse. Pour ne pas attrister le Saint-Esprit, tu dois veiller à ce que tu n'offenses pas la parole, que tu ne marches pas en contradiction avec la parole. C'est pourquoi David dit dans le psaume 119, verset 9, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Sans se conduisant par ta parole. Au verset 67 du même chapitre, il dit, avant d'avoir été humilié, je me suis égaré. Il dit, maintenant, j'observe et je pratique ta parole. Frère, j'ai pris la résolution il y a beaucoup d'années que je ne vais pas échouer. Et je savais que ça ne dépend pas de qui est ton père biologique ou ta mère, de quelle famille tu viens. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le Saint-Esprit glorifié. S'il n'est pas glorifié, quels que soient les titres qu'on te donne à l'église, tu vas seulement sortir de là avec la honte. Quels que soient les gens qui t'acclament, tu vas finir avec la honte. La main du Seigneur est sur toi. Que ta soif soit le Saint-Esprit. Mets la parole en toi et vis d'après les Écritures. Tu vas voir comment ta vie deviendra. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur si tu as été béni. Tes acclamations ne me convainquent pas. Acclame le Seigneur. Alléluia. La main du Seigneur est sur toi. Mets-toi sur tes jambes. Ton offrande est ouinte, elle est bénie. Mais maintenant, regardez. Pourquoi nous donnons à l'église? Parce que nous sommes en partenariat avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Pourquoi nous évangélisons? Parce que nous voulons aider le Saint-Esprit à accomplir les desseins de Dieu. Quels sont les desseins? De peupler l'enfer, peupler le ciel. Dis amen. Donc en fait, il faut que tu comprennes. Dieu t'a envoyé sur terre pour que tu travailles en collaboration avec son Esprit Saint. C'est uniquement pourquoi tu es sur terre. Tu peux travailler dans un bureau et tu deviens excellent par le Saint-Esprit. Tu peux être commerçant et tu deviens excellent par le Saint-Esprit. Combien tu le crains, même là-bas au bureau. Combien tu le crains dans ton commerce. Combien tu l'aimes, combien tu demeures dans l'enseignement. Praise God. Ton offrande est ointe. Ta dîme est ointe. Dépose à l'autel. Drop it. Dépose. Je prie au nom de Jésus-Christ. Pour toi qui as les difficultés financières, pendant que tu déposes ta sémence, au nom de Jésus-Christ, que toute porte, je parle sous l'onction du Saint-Esprit, que les portes, toi qui as le cœur, qui veut donner pour le Seigneur, que les portes s'ouvrent pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. My Father, your church is worshiping. I will worship and worship and worship for the rest of eternity. My
my father, your church is worshiping. Are you worshiping, worshiping? My father, your church is worshiping. I will worship and worship for the rest of eternity. My father, your church is worshiping. My father, your child is worshiping. I will worship and worship and worship for the rest of eternity. My father, your church is worshiping. I will worship and worship and worship for the rest. J'ai ce message pour tous les gens qui sont leaders, ministres, futur leader, et toi qui es chef d'entreprise, ne mets jamais l'accent sur des gens qui ne sont pas là. Ce que tu as fait, fais-le. Comprenez? Ne mettez jamais la. Ne con, regardez, hein? Comptez sur Dieu, pas les hommes. 70 personnes sont parties un jour, ont quitté Jésus un jour, il les a laissés partir. C'est vrai? C'est vrai ou c'est faux? Dans Jean 6, n'est-ce pas? Apprenez à faire ce que vous avez à faire. J'ai du mal quand je vois un leader. Quand je dis leader, ce n'est pas forcément leader de cellule, leader de département ou ministre. Je dis leader, c'est un chrétien. Qui t'explique pourquoi il n'a pas fait telle chose? Parce que les gens avec qui il devait faire ne sont pas là. Tu ne voulais pas faire. Tu ne voulais pas faire. Je te rappelle que la première prédication de Jésus, il a fait celle. Puisqu'il sortait du désert, il n'avait pas de disciples. Il a dû prêcher l'évangile à Pierre et à tous les autres pour que chacun le suive. Il était évangélisé seul. Il a gagné Pierre lui seul. Il a gagné André. Il a gagné tous les autres seul. Il n'avait pas de disciples. Ou bien, il avait des disciples. Quels disciples? Tu ne connais pas la Bible. Quand Jésus a été baptisé, il est parti au désert, il est revenu, il avait un disciple. Alors, il a gagné tous les 11 lui seul. Tu as compris ce que j'ai dit? Lui seul a gagné tous les 12 là, jusqu'à Judas, il les a gagnés lui seul. André, Pierre, suivez-moi, tel, suivez-moi, tel, suivez-moi, Matthieu, suivez-moi, tel, suivez-moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ce dont tu as besoin sur le Saint-Esprit, si tu es seul, c'est suffisant. Imagine maintenant si vous êtes deux ou trois. Ne dis pas, on a attendu les autres, on ne les a pas vus. Et tu es habitué à faire les réunions. Quand tu es habitué à faire les réunions, tu as le langage des gens de réunion dans ta tête. Comme ici, on n'était pas encore là, les secrétaires, vraiment, on attend. Ketcha. Hello. Vous, tu es seul ou bien vous êtes deux, c'est suffisant. Il évangélisait seul. Amen. Vous êtes trois, c'est bon. Vous évangélisez. Si vous faites. Et vous. C'est fini. Vous priez sérieusement pour les gens là. Alléluia. Amen. Ou tu peux être seul, tu te multiplies, vous devenez deux ou trois. Et vous vous multipliez, vous devenez. Amen. Plus nombreux. Alléluia. Si tu es ici à l'église. Et tu mènes une très mauvaise vie. Lève-toi et avance. On va prier pour toi que tu sois pardonné, que le Saint-Esprit te remplisse. Parce que, regarde, les messages comme ce que je viens de prêcher, ça ne concerne pas les gens qui ne veillent pas à glorifier Dieu. Ça ne les concerne pas. Hein? Vous enrichissez les prophètes et les hommes de Dieu parce qu'ils ne veillent plus sur vos âmes. Tu viens seulement, tu lui dis que tu as un problème. Tu vis dans le concubinage depuis peut-être même 10 ans. Ce n'est pas son problème. Hein? Tu as même 4 enfants. Ce n'est pas son problème. 5 enfants. Ce n'est pas son problème. Tu dis que tu as un problème. Tu dis que bon. Tu dis même que tu es un peu avec ta femme. Alors que ce n'est pas ta femme. C'est ta concubine. Vous êtes avec ta copine. Il dit seulement qu'aller chercher la semence de 100 000. Tu apportes la semence de 100 000. Vous déposez. Il prie pour vous. Il prie quoi? Il prie quoi? Demande à ton frère. Il prie quoi? Et il prie pour qui?
L'argent n'est pas tinjo. On doit enseigner la justice, la sainteté, la crainte de Dieu. Et quand on commence à prêcher la crainte de Dieu à l'église, les chrétiens sont frustrés, fuient. Ils ne sont pas venus pour le ciel. Ils sont venus prophètes. Même si on va partir en enfer, prie quand tu veux au travail. Et voilà ton frère, tu es triste pourquoi? Et voilà ta soeur, tu es triste pourquoi? C'est l'église, seulement les messages, Dieu va t'enrichir. Dieu n'enrichit pas les pécheurs. Il ne peut pas le faire. Jean 9, 31 dit qu'il ne ose pas les pécheurs. Il ne peut pas le faire. Mais comme ces pasteurs, c'est pas qu'ils sont de faux pasteurs, c'est que ils sont là depuis, ils ont étudié. Ils ont étudié les humains. Et ils ont découvert que quand, si ils te disent la vérité, tu as fui, donc ils préfèrent t'égarer. Et ils mangent ton argent. Je refuse de faire ça, Holy Ghost. Tu as compris? Je préfère te perdre toi plutôt que de manger ton argent. Amen. Le prophète te dit la vérité. Tu veux fuir, tu fuis. Hein? Tu veux fuir, tu fuis. Mais pas que tu es là. Non, non, non. 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 Je prie au nom de Jésus-Christ. Il est temps que les chefs d'entreprise, les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, que tout le monde se lève pour la cause de Dieu. Que tout le monde porte le Saint-Esprit. Là où tu travailles, tu as déjà gagné qui est en Christ. Ton patron connaît Jésus. Le collègue avec qui tu as mangé aujourd'hui à midi, là, il connaît Jésus. Il ne connaît pas. Ce qui t'intéresse, c'est le business. Mets-toi debout. Aïe, 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 aïe. Yeah, 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 yeah. Ah, ah. Du 20 au 22, nous sommes à Makepe, quoi? Conteneur rouge BM. Amen. On a un gigantesque programme là-bas. Et le vendredi, c'est l'impartition. Mais l'impartition là, est sous enregistrement obligatoire. Tu souscris $40. Alléluia. Praise God. Jésus a dit, ne donnez pas de perles aux chiens. Amen. Il faut valoriser la chose. Praise God. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. I feel fire. Tu sens le feu là ici. Quelqu'un sent que Dieu va l'utiliser. Est-ce que tu te rends compte? Je t'enseigne la vérité. Je te révèle les secrets. Les mystères. Alléluia. Cherche à craindre Dieu et à glorifier le Saint-Esprit dans ta vie. Quand moi, je suis arrivé à l'église, j'avais une petite amie, elle s'appelait Olive. Quand elle me fait baptiser, elle était là. Je lui ai dit que viens, c'est là. Today is our last day. C'est notre day. That's the last word. Si elle revient aujourd'hui, elle va dire que voilà vraiment quelqu'un qui s'engage à servir Dieu. Voilà ce que Dieu fait. Hein? 7 ans. Français, tu comprends ça? 7 ans. Il était déjà prophète. Et les gens ici, ils vont avoir les cheveux blancs. Te disant toujours qu'ils ont fait le rêve où ils rampaient. Je prie au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit devient ta soif. Ta soif. Ta soif. Ta soif. Ta soif. Abdias travaillait avec Akab. Tu connais Akab? Akab est tellement païen que... Non, on ne dévoile pas son CV aujourd'hui. On va voir ça prochainement. C'est le mari de Jézabel. Tu connais Jézabel? Akab. Quelqu'un travaille sur Akab, mais il craint Dieu. Abdias. Je prie pour toi. Si tu décides de craindre Dieu, on connaît les chrétiens du passé là, les pères là, les pères qui ont brillé là. Quand on parlait de la vraie église au Cameroun. Amen. Alléluia. Là où tu voyais les mamans venir avec le foulard attaché partout, partout, partout. Amen. Praise. Les pères de l'église. Et on a gardé ça aujourd'hui dans les églises, comme dit pas là, le papa Koumoui.
Amen. Ah, God. Comme la montagne de feu de Daniel Olukuya. Écoutez que je vous dise quelque chose. La caractéristique du chrétien, première caractéristique, ce n'est pas comme il prie trop. Ce n'est pas comment il montre son zèle. C'est combien il craint Dieu. C'est combien il craint Dieu. Et il doit veiller sur ça. Alors que ta tristesse au quotidien devrait être, hey, Seigneur, je ne te crains pas. Regarde comment je fais. Regarde la vie que je mène. Et je fais semblant devant les gens. C'est ça qui devrait t'animer. Plus tu vas aller traiter ça, la crainte de Dieu, tu seras choqué. Dieu va t'honorer devant les gens. Tu vas avoir des opportunités pour lesquelles. Ici à l'église, personne ne devait demander que je cherche le problème pour qui prie pour moi. Rien que dans cette atmosphère, tu devais prendre l'avantage de l'onction et de la présence de Dieu ici. Hein? Écoute, si tu es dans le lac ou dans la mer, il n'y a aucun endroit spécifique qui mouille. Dès que tu es dans la mer, que ce soit au fond de la mer ou au bord de l'eau, tu te mouilles. Je prêche. Il dit que dès que tu es dans la piscine, que ce soit au bord ou au fond, tu es mouillé. Donc une fois que quelqu'un est ici, même devant le portail, dès que tu entres ici, tu es dans l'atmosphère divine. Il n'y a pas un endroit spécifique de la mer qui mouille. Tu es dans l'eau, au bord, au fond, au milieu, n'importe où, tu es mouillé. Donc, ici, dès que tu es ici et tu prends avantage des enseignements, tu pratiques, tu devais même être le genre de chrétien qu'on ne connaît pas, on ne voit pas aux réceptions. Mais tes témoignages chaque jour ici effrayent. Voici les 10, 15, 20 personnes que j'ai amenées à l'église. Voilà comment Dieu m'a enrichi. Il m'a donné ça, 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 ça. Je suis devenu employeur de tel. C'est ce que Dieu fait avec ceux qui le craignent. Il les élève. Ta tristesse ne doit pas être, je n'ai pas gagné l'argent aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ta tristesse devait être, mon âme ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Amen du Seigneur sur toi. La grâce de Dieu abonde et surabonde. Quelqu'un dit l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, reste et demeure avec moi, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Rendez-vous tout à l'heure à minuit. Nous serons en direct sur Facebook. On va prier avec ta maison. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Shalom. Douala Yaoundé.